Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur l'épisode numéro 2 doko sur notre campagne. Donc là on était à la recherche de petite carpe. Donc petite carpe qui a disparu. Et euh, donc son frère Tiku qui est à sa recherche. Sans plus attendre, on va commencer un nouveau tour de jeu. On n'a pas besoin de, de batifoler pendant 3 heures. Hop là. Alors, on était sur un nouveau tour de jeu, ok. On va jouer. Alors là, on était un petit peu dans la panade, dans le sens où il y avait quand même beaucoup de, de soldats. Alors, au niveau de Noburo, il ne lui reste pas beaucoup de cartes en fin de compte. Je me dis que je. Alors, il a, il a quand même pas mal de, de pions de dégâts sur lui. Mais. Je me dis que ça peut être intéressant de lui mettre un plus 4 en attaque. Et de lui mettre la technique du Naginata. C'est-à-dire, si vous êtes équipé d'un Naginata, vos attaques ciblent 1 à ennemis. Donc ça peut être intéressant de lui faire ça parce que là il a deux ennemis autour de lui ce qui fait qu'il pourrait cibler les deux et potentiellement avec une attaque, paf, tuer les deux. Potentiellement. Donc ça, ça peut être pas mal. De toute façon, après il lui reste sa faiblesse. Et là, il n'y a pas de force. Et ça, c'est pas utile. Donc euh, voilà, en gros, euh, <laughs> on n'a pas 50 choix. L'autre choix que je peux faire, c'est évidemment mettre la régénération à gauche. Euh, et celle-là à droite, par exemple. Mais le problème, c'est que j je pourrais pas utiliser. j'aurais pas le plus 4 et je pas la technique du Naginata. Donc. Il euh, n'y a pas trop d'intérêt. Donc, je vais plutôt partir comme ça. Hop là. Voilà. Donc, euh, à droite, c'est là pour le plus 4 et à gauche, c'est là pour la technique du Naginata. OK Donc, on part comme ça. Allez, c'est parti. Donc je lui mets droite et gauche. Ok. Pour Genji, donc euh, je l'ai équipé du katana. Alors, à la recherche du parchemin, on s'en fout. Un arc, on s'en fout. Haute lignée, on s'en fout. Tir précis, on s'en fout, c'est pour l'arc. Je lui enlevé. Tir multiple, on s'en fout, c'est pour l'arc. Donc en fait là, ses compétences à gauche, on n'a pas réellement besoin. Par contre, à droite, comme on sait qu'il va faire beaucoup de combats, c'est peut-être intéressant de lui mettre un plus 4 aussi. Comme on sait qu'il va taper, se déplacer, taper. Euh, ouais, on va lui mettre un plus 4 à droite. Pour libérer un peu toute cette zone-là de, de soldats qui nous embêtent. Et à gauche. Et je vais mettre le tir multiple, même si je ne vais pas pouvoir l'utiliser, parce que je n'ai pas d'arc. <laughs> je lui mets quand même pour... Pour faire passer son deck plus rapidement et pour récupérer les cartes du coup. Donc je vais lui mettre. Hop. Donc même si je ne m'en sers pas, c'est juste pour ré pouvoir récupérer son deck après. Plus rapidement. Et pour TQ, il lui reste trois cartes à TQ c'est tout. Ah ouais. Ah non, 4, pardon. Je me dis que il va aussi sûrement faire du combat. Pour libérer. Pour aider tout le monde à libérer la zone. Donc à la rigueur, je pourrais lui mettre un plus 3 en combat. Et pour l'aider, je pourrais peut-être faire une invocation parce que discrétion n'en a pas besoin tout de suite. Érudite, on n'en a pas besoin. Donc je pourrais peut-être faire une invocation de Camille à gauche. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc à droite, on part sur un plus 3 pour taper potentiellement. Et à gauche, on part sur une invocation de Camille. Alors attention, il n'a pas de bouclier. Donc il risque de prendre ses... un peu de dégâts. Fais voir les autres cartes. Ouais, il a le plus 2 ici. Mais... <laughs> Il lui fait combien de force Il a deux de force. Si je mets le plus de boucliers, ça lui fait plus 1. Hein Donc ça lui fait 3. Mais il aura deux de boucliers. Le truc, c'est ce qu'il va prendre des DIA Je pense, ouais. <laughs> à moins qu'on mette un Camille qui le protège. Potentiellement. Euh, mais je pense qu'on va partir quand même là-dessus. Vas-y, on va partir là-dessus. C'est pas grave. Pour essayer de libérer un maximum la zone. Donc tac et tac. Et euh, à la rigueur, je vais peut-être mettre. Non. Je vais laisser comme ça. Pour l'instant. Pour les camis, vous savez que euh, on peut en, en choisir que deux par, par scénario. Je les ai déjà choisis en amont. Je vais vous montrer ceux que j'ai choisis. Alors, il y en a toute une ribambelle. Hein. J'ai pris ce camis du feu là, euh, donc un ennemi qui traverse un pion de porte de la tuile du camis de feu pose un pion de dégâts sous sa fiche d'identité. En fait, on met une porte en feu, ça peut être très utile puisque comme les ennemis ils ont que un PV, je me dis que si j'arrive à bien le positionner celui-là, dès que les ennemis vont passer, ils vont se prendre un dégât et boum, ils vont tous mourir à la queue. Donc ça peut être intéressant, pour ça que je l'ai pris. En deuxième camis du feu, j'ai pris celui-là. Le camis peut se placer sur un espace de renfort et comme ça on ne peut plus l'utiliser. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. pour ça que je l'ai pris. Comme ça, on met sur un espace de renfort et on est tranquille. On ne va pas se faire agresser tout de suite. Donc ça peut être utile aussi à voir. Le camis de l'eau, donc les alliés qui s'activent sur un espace adjacent au camis de l'eau retirent un pion de dégâts de leur fiche d'identité. Donc ça, c'était surtout pour heal. C'est du soin. Donc surtout pour heal euh, nos bourreaux, par exemple, qui a pris pas mal de dégâts potentiellement. Le deuxième Camille de l'eau, ça sera un héros adjacent au Camille de l'eau, défausse une carte blessure cette fois-ci, donc ça, là, ça, c'est un heal plus important. Camille de l'air, les alliés adjacents changent leur dé de combat en dé d'action, donc ça, c'est toujours utile contre un Oni, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Les alliés qui s'activent sur un espace adjacent au Camille de l'air ne prennent pas en compte les personnages ennemis lors de leur déplacement, donc ça, c'est fort aussi. Par exemple, quand on veut se déplacer super vite, ça permet. De ne pas prendre en compte les, les, les ennemis. Le Camille de la terre, là, euh, donc dans la zone du camis de la terre, ne peuvent pas utiliser d'action de déplacement. Donc, ça, c'est pour contrer les ennemis, pour pas qu'ils nous suivent. Les ennemis présents dans la zone du Camille ne peuvent pas se déplacer. Donc, on le pose, ils ne peuvent plus se déplacer, au moins, on est tranquille, ils ne nous suivent pas. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et en deuxième Camille de la terre, j'ai, euh, bah, pareil, remplacé les dés de combat par des d'action. Donc, ça fait un deuxième qui permet de le faire. Donc, c'est toujours utile aussi contre. Euh, contre le, euh, le machin. Donc là, moi, Alors, je vais pouvoir faire une invocation de Camille. Il faudra que je choisisse, évidemment, c'est lequel. Mais euh, je sais pas. On va voir euh, par rapport à ce qui va se passer. En termes d'activation, je vais activer, comme nos bourreaux, après beaucoup de dégâts, je pense que je vais activer nos bourreaux en premier. J'évitera qu'ils prennent des dégâts, il va taper. Ensuite, Genji, peut-être. Et après, Tiku. Voilà, comment je vais faire. Ça me, paraît, ça me paraît pas mal. On est quand même au tour numéro 2 déjà, hein, donc il ne faut pas traîner. On a 3 pions à 10 à récupérer. Le premier, c'est celui-là. Après, c'est lequel C'est le rond ou c'est l'autre Non, après, c'est celui-là. Et après c'est le qui est tout au fond. Donc faut pas traîner. Après, lui avec son parchemin, il a moyen de se téléporter pour récupérer le dernier pion par exemple. Donc ça c'est pas très très grave. Il faut absolument qu'on remporte les pions parce que sinon l'Oni risque de gagner ce scénario-là. Il a déjà pas mal de points au niveau des accusations, donc ça risque d'être compliqué. On y va pour Lonnie, voir ce qu'est-ce qu'il va faire. Donc, <laughs> on est donc sur le tour numéro 3. Hop là. Donc, impair. Je pioche une carte. Je vais vous la montrer. Alors. Oula, c'est quoi ça Autrant renfrogné. Si le scénario ne comporte pas d'enquête. Ben si, il y a une enquête. Chaque hôte du palais se déplace dans une zone adjacente sans héros. Placer un pion. Alors, je crois que c'est un pion plus simple peut-être, je vois pas bien. Sur le test d'interrogatoire de l'hôte le plus proche d'un héros. Euh, alors chaque héros du palais se déplace dans une zone adjacent sans adjacente sans héros. Ok. Donc chaque hôte du palais se déplace dans une zone adjacente sans héros. Alors, on... Alors, eux, ils n'ont plus d'indices. C'est quand même des hôtes. Bon, on n'est pas obligé de les considérer comme indices, puisqu'ils n'ont plus d'indices. Donc, qu'ils se déplacent ou qu'ils ne se déplacent pas, on s'en fout un peu. Donc, eux, on va considérer que, comme je les ai déjà interrogés, on va les laisser là, on s'en fout. De toute façon, qu'ils se déplacent ou qu'ils ne se déplacent pas, ça n'a aucune incidence. Par contre, eux, évidemment, oui. Hein, forcément. Et donc, on nous disait déplacer. Chaque hôte du palais se déplace dans une zone adjacente sans héros. D'accord. Mais là. Euh... En fait, la phrase sous-entend qu'il y, y, y a un hôte dans la tuile de... avec des héros, mais ce qui n'est pas le cas du tout. Donc pour moi, comme là, il n'y a pas de héros, il va rester là. Là, il n'y a pas de héros, il va rester là. Là, il n'y a pas de héros, il va, rest... Elle va rester là. Vous voyez Les seuls à la rigueur qu'on déplace, c'est tuiles on parle de tuiles. Hein. Non, on parle de zone. On parle de zone. Là, lui, il n'y a pas de zone. Il a personne dans la zone. Là, il n'y a personne dans la zone. Et, euh, et là, il n'y a personne dans la zone aussi, en fin de compte. Vous euh, voyez, parce que si lui se déplace à ben là, il est avec un héros. Là, il ne là, peut pas. En plus, c'est blindé. Donc euh, pour moi, il n'y a, a rien qui est fait, en fait. Personne ne se déplace. C'est si jamais on, est, on voulait interroger quelqu'un, ben, il se barre. Mais là, du coup, il euh, n'y a, a rien. Je pense que ça ne fait rien, en fait. Voilà. Bon, je, la, je comprends la carte comme ça, moi. Ça sous-entend qu'ils sont avec des héros. On les déplace. Mais bon, là, comme il n'y a pas de, il y a personne, je pense que c'est bon. Attends, à moins que ce soit écrit sur la carte, attendez. Peut-être, je n'ai pas regardé, c'est vrai. C'est comment le haute renforcé Non, il n'y a pas écrit. Non. Il n'y a pas écrit, donc... Ok. Euh, donc, tour impair, s'il y a une tuile corrompue sur laquelle il n'y a aucun garde, enlevez le pion. Bah, il y a bien une tuile euh, corrompue ici, mais il y a des gardes. Donc, euh, je laisse le pion, forcément. Voilà. Donc, si ce n'est pas le cas, défaussez la carte. Donc, on défausse. Ah, par contre, attention, j'ai oublié, le... oublié, mais poser le pion plus 1 sur le test d'interrogatoire de l'autre le plus proche d'un héros. Donc, ça, j'ai oublié... oublié de le faire. Par contre, ça, il faut le faire, évidemment. Alors plus 1 sur le hôte, le plus proche. Euh, nous on arrive par là. D'accord. Le plus proche, c'est lui. Forcément. Donc plus 1 sur lui. Ok. Donc je vais lui mettre le plus 1 à côté pour dire que son test passe à 5 maintenant. Voilà. Son test passe à 5 à lui. En plus, il est... Il donne pas mal de cartes, le salaud. <laughs> ok pour ça. Euh, voilà. Allez, la carte est défaussée. Très bien. Euh, oui, donc le coup, le, on le laisse, hein, le machin. Ok, et ça nous de jouer. On laisse le pion corrompu qu'il y a des gardes. Hein. Donc là, ça nous de jouer. On commence par nos bourreaux. Phase d'action. Alors, trois actions comme d'hab. Euh, bah, je vais faire première action. Et je vais faire euh, une action d'attaque. Avec ma technique. Du... Euh, Naginata, qui va me permettre de... Si vous êtes équipé d'un Naginata, ce qui est le cas, vos attaques ciblent 1 à 3 ennemis. Donc là, je peux cibler les deux ennemis en même temps. Les deux ennemis en même temps, je vais cibler. Sachant que j'ai 4 plus 4, hein, c'est énorme. Donc j'ai 4 des noirs plus 4 des rouges. Mais ouais. C'est juste insane. Et ils ont combien d de défense alors, le ninja, il a 5 de def et le samouraï, bah, il a 5 aussi. Les deux ont 5, d'accord Allez, on y va. Donc, les deux ont 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas la peine de relancer les qui Ça passe en même temps avec tous les des Donc là, je, je blesse les deux. Hein. Je refais tous les deux à un point de dégâts. Donc, il meurt. Il meurt. Attaque comme ça. Sur nous-mêmes. Cappuccino. Donc pour son attaque, c'est un peu une attaque comme ça, comme on peut voir sur cette image-là, ici. Vous voyez Il donne un coup comme ça d'épée et il bute un peu bah, tout le monde qui est autour de lui, les jarres, les machins, et il pète tout le monde. Voilà. Pour, pour illustrer un petit peu le le coup qu'il vient de faire. Ça, c'était sa première action. Ok. Donc deuxième action. Il va faire un mouvement. Euh, ouais, ouais, ouais. Il va faire un mouvement. Donc il va hop, se déplacer ici. Ici. Non, ici. Attends. Euh, ici, ouais. Voilà. Et il est obligé de s'arrêter parce que forcément il est face à, à un ennemi, à un ninja. Et puis, euh, troisième action, il va taper le ninja. Tant qu'à faire. Ah, quoique. Euh, si, ouais. Il va taper le ninja, ouais. Alors il n'est pas adjacent à lui, hein, donc euh, évidemment il ne peut pas faire son coup ultimate. Là. Il va le taper normalement, il est bien adjacent, donc il n'y a pas de souci. Donc il le défonce. Donc c'est parti. 8 d Il a toujours 5 de def le ninja. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon. Il le tue. Hop là Merci, au revoir. Toujours ça de moins. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Et, et du coup, il a réussi son défi, son défi personnel, puisque son défi personnel, c'était celui-là du premier du haut. Éliminer trois ennemis en une activation. Ben, C'est ce qu'il a fait. Il a eu une activation. Attention, on ne parle pas d'action, ce n'est pas en une action. Hein. C'est une activation et une activation, c'est trois actions. Et il a éliminé les trois ennemis, puisqu'il en a éliminé deux là et un là-bas. Donc là, il a réussi sa quête personnelle. Donc comme il a réussi sa quête personnelle, il devient un guerrier légendaire. Ah non, un guerrier inégalable, pardon. Et donc sa quête est terminée. Ça va nous donner un peu plus de points. Voilà, guerrier inégalable, on a réussi sa quête. Bien joué. Donc là, ça va nous faire des points à nous. Bravo. Parce qu'on a réussi sa quête à lui, ça c'est bien. Ok. Il a joué, on passe à Loni. on pioche un token. Au pif. Ninja. Ça m'arrange un peu. Allez, ninja. Hop, je tire une carte. Ici. Ça m'arrange parce qu'il n'y en a qu'un. Alors, plus deux en mouvement. Ok. Plus un en attaque, plus un en défense. Et il a plus 0 en action. Donc ça c'est bien, il a deux actions. Déplacer le Ninja vers l'espace le plus proche avec une ligne de vue sur un héros. Ah. Et attaquer un héros en ligne de vue. Ok, il va lancer des, des shurikens. Alors, la question c'est est-ce qu'il a la ligne de vue sur Tiku Parce que c'est le plus proche Tiku. Oula, la caméra qui s'est. Attendez, je vais me mettre en pause. Voilà. Hop. Je voulais vous avancer en fait. <laughs> euh, donc là, le but c'est de savoir si là il y a une ligne de vue. J'ai l'impression que oui. On va regarder ensemble. Euh, oui, oui, il y a une ligne de vue. Hein. Il n'y a, a rien qui bloque. Il n'y a pas de mur. Euh, donc, oui, il y a bien une ligne de vue. OK. Donc, en fin de compte, là, il a deux actions, le ninja, puisqu'il n'a pas d'action supplémentaire. D'accord Et donc, il ne va... bouge pas. Il ne bouge pas. Il lance deux fois ses shurikens. Donc, il tape à 4 plus 1. Il tape à 5. Ouais, il tape à 5 TQ avec ses shurikens. Et évidemment, TQ, il a 4 en def. Donc, il euh, faut lancer 4 d il faut faire 5. Ça risque d'être un peu dur, mais bon, on va voir. C'est possible. Hein. Allez, il faut faire 5. Bon, premier, complètement raté. Donc, un dégât. Voilà. Deuxième. Deuxième qu'il envoie. 2, 3, 4. Ah mince, il faut faire 5, donc c'est raté aussi. Quel dommage. Quel dommage. Dommage. Bon, raté. Dommage. Il se prend deux dégâts. À cause des chirurgiennes. Ok. Le ninja a joué. Et donc c'est à qui maintenant C'est à Genji. OK. Alors Genji. Alors, lui, il a trois actions aussi, bien sûr. Et le principe, c'est qu'on libère les gardes. Pas un enfin, maximum. Avant qu'il joue, bien entendu. Donc. Et ben, première action, il va faire une attaque. Genji, puisque il est adjacent à un garde avec son katana. Son katana lui donne plus 1 de force, d'accord donc, euh, donc il a plus 1 dé déjà. Ce qui fait qu'il a quand même pas mal de force en fin de compte, puisqu'il a 3 forces standard, donc 4. Il a 4 forces supplémentaires, donc 4 dés rouges. Et en plus ça lui donne plus 1 ici. Plus un supplémentaire. Et il me semble que ça c'est un dé rouge aussi. Donc ça lui fait 5 des rouges au total. Ok. Donc déjà je vais en... Comme j'ai pas tous les dés, je vais en lancer 4 rouges, 4 noirs déjà. Ok. On verra si j'arrive à le tuer. Si j'arrive à le tuer, c'est bon. Si j'arrive pas à le tuer, je lancerai un dé rouge supplémentaire. Bon, je pense qu'avec 8 des, ça devrait le faire. Il a combien de def? Il a. 5 de def. Allez, c'est parti. Euh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, c'est largement bon. Donc il le défonce. Hop là, euh, il défonce lui. Voilà. Donc lui, il est capote. Euh, ensuite, deuxième action, il va faire un mouvement. Et il va se déplacer. Ben là. Et après, même chose, troisième action, il rattaque le garde. Le garde qui est à côté. Donc on recommence. Là, j'ai vraiment bu le combat hein, pour tous les persos, pour essayer de se débarrasser un maximum de, de gardes, justement. Euh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, c'est largement bon aussi. Donc, même chose, il le défonce. Merci, au revoir. Le problème, c'est pas de les défoncer, les gardes. Le problème, c'est que du fait qu'il y ait beaucoup de gardes, on perd du temps. Et oui, c'est ça, on perd du temps sur notre quête. Et Elonie, lui, il est content, le fait, de, le fait de perdre du temps. Puisque lui, il gagne des pouvoirs, justement. En tout cas, il a fini de jouer, il a fait ses trois actions. Donc c'est Aloni. Maintenant, je prends un pion. Hop, celui-là. Garde. Je prends une carte. Alors, plus deux en mouvement, plus un en attaque, plus un en défense, plus zéro en action. On a de la chance aussi. Sachant qu'ils ont deux de base, hein, donc deux plus zéro. S'il est le seul Hmagaru sur la tuile. Euh, alors. Effectivement, lui, il est le seul sur la tuile. Hein. La tuile. Alors, les petites tuiles sont considérées comme des petites tuiles aussi. Hein. Donc là, il est bien sur une tuile tout seul. Il est avec euh, Tiku. D'accord Ils sont tous les deux sur une tuile tout seul, parce que ça, c'est une tuile. D'accord Ok. Donc on nous dit quoi il est, bien tout, il est bien tout seul. On le déplacez-le vers le... S'il est le seul hachimagaru Garu sur la tuile, déplacez-le vers le le plus proche. D'accord. Sinon, déplacez-le vers l'objectif le plus proche. OK. En fait, ils essayent de se regrouper. Hein. Euh, ce qui n'est pas bête. Hein. Donc là, on va commencer par lui là-bas. Quoique... Quoique, quoique. Il n'y a pas vraiment d'ordre au niveau des... des gardes. Par contre, on va essayer de le jouer un petit peu comme si nous, on était Lonnie, hein, ce qui est un petit peu logique. Euh, si moi, je suis Lonnie, bah, j'aurais plutôt fait avancer ce garde-là pour me rapprocher de l'autre, pour les... pour les embêter, en fait. Je pense. Mais euh, ça ne changera pas grand-chose. Je pense. Attends, fais voir leur carte. Ils ont plus de. Ouais. Euh... Ouais, ça changera pas grand chose en fait. Juste qu'il va nous embêter quoi. Donc, que je joue lui ou que je joue l'autre, ça sera à peu près la même chose. Donc, on va commencer par lui. Il a deux actions. Ok. Il veut se rapprocher, il est tout seul sur sa tuile. Il veut se rapprocher d'un garde le plus proche. Le garde le plus proche, c'est lui là-bas. De toute façon, ils sont que deux. Ah, mais attends, mais non, mais non, mais non, j'ai dit des bêtises là. Non, 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 pardon, je dis des bêtises. Il ne peut pas les activer. Il ne peut pas les activer, pourquoi Parce que la corruption, elle est sur cette tuile là. Ok Et lui, il n'est pas sur cette tuile là. Donc il ne peut pas l'activer. Impossible. Et lui aussi, il ne peut pas l'activer, puisque donc du coup, là, il ne peut, peut pas activer de garde là actuellement. Tout à l'heure, il pouvait en activer parce qu'il y avait, d'ailleurs, il y avait, oui, il y avait le samouraï ici, le ninja là, le ninja là, et là il y avait un, euh, ici il y avait, il y avait un garde et, enfin, ici il y avait un garde et ici aussi, puisqu'il les a tués lui les deux. Donc, euh, le corruption restait bien là. Il y a pas, donc là, il peut pas les activer parce qu'il n'est pas sur la, euh, il est pas corrompu en fait, le garde. Et oui. Donc, en fin de compte, euh, on retire un nouveau pion. Et qu'est-ce qui se passe Mais il ne peut pas non plus activer les samouraïs, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus, en fait, sur la tuile corrompue. Donc, il ne peut pas les activer. Donc, la carte, je la remélange. Hein, des... Je la remélange, la carte, pour ne pas tricher, évidemment, parce que je l'avais tirée. Voilà. Donc, là, il ne peut activer personne. Donc, comme il ne peut activer personne, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a un renfort. Donc, un garde, un ninja. C'est ça? Ouais. C'est au plus proche des héros, bien entendu. Donc le ninja, mais il va venir là. Et il le garde ici. Il n'a pas d'autre des, des, des spawns. Voilà. Fin du tour de l'ONI. Eh ben oui, parce que le pion corruption, il n'est pas jusqu'à là-bas. On passe à Tiku. Alors... Euh, TQ du coup, il ne peut pas attaquer le garde là-bas. Pourquoi Parce que si j'attaque le garde qui n'est pas corrompu, euh, lui là, lui il est plus corrompu. Il était corrompu tout à l'heure, mais enfin avant et maintenant il est plus corrompu. À moins que j'ai peut-être fait une erreur, remarque. Je l'ai peut-être activé alors qu'il n'était pas corrompu, mais je pense pas. Je sais plus. Non, je pense pas. Je pense que je l'ai activé, il était là, donc il était bien corrompu. C'est juste que maintenant, du fait qu'il soit sorti de la zone, il est plus corrompu. Donc si je l'attaque, on va activer les gardes. Donc je ne surtout pas que je l'attaque. Par contre, il peut quand même potentiellement essayer d'attaquer le ninja, le ninja qui nous embête. Donc, je peux faire une invocation de Camille potentiellement. On va voir qu'est-ce qu'on peut invoquer. Alors, le Camille de, du soin peut être intéressant. ici ça peut être pas mal. Euh... Je réfléchis. Là je suis mal barré là, hein, je vous le dis. Parce qu'au prochain tour, il y a une accusation, on n'a pas d'indice. Je suis dans la panade quand même. Jusqu'à la fin du tour, les ennemis qui commencent leur activation sur la tuile des héros perdent une action. Déplacer un pion indice sur un espace libre de la tuile où se trouve le pion. Ouais, bon, on Ouais, 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 ben, pff, pas le choix de toute façon. Je n'ai pas le choix du tout. Donc, je vais faire. Ah, ouais, c'est vrai que le soin peut être intéressant. Ouais, carrément même. Mais, euh, oui, mais après je peux le bouger. Ouais, je peux le bouger. c'est pas mal aussi. Ouais, je pense que je vais mettre le camis du soin. Donc le camis de l'eau. Pour essayer de retirer un maximum de pions de, de soins, tout simplement. Toujours pas mal. Je pense que c'est bien ça. Après, euh, remarque, euh, si je mets le camis du feu, il peut attaquer. Mm -mm. Et il pourrait tuer le ninja potentiel, mais bon, ninja, c'est pas ouf. Mm -hmm. Non, je pense que je vais... Non, je vais mettre le soin. Ouais, je pense que je vais chercher le soin. Ça me paraît pas, Ça me paraît pas mal. Donc, première action, j'active le, le camis. Euh, donc, le voilà. OK. Le camis de l'eau. Je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo. Ouais, bon, si, OK. Euh, je mets adjacent, bien entendu. Euh, je vais le mettre euh, ici. Ok, sa carte, je vais la mettre dessous. Ok, tout va bien. Ensuite, je vais faire un mouvement. Attends, c'est quoi les alliés qui s'activent Ah ben non. Hop, je fais un mouvement pour aller ici. Et en dernière action, je fais une attaque contre le ninja. Je suis bien adjacent, il n'y a pas de souci. Alors, en termes d'attaque, j'ai... 2 plus 3. Voilà. Et puis le ninja. Alors ninja, il a un peu plus de défense à cause de sa carte. Euh, il a 6 maintenant. Alors je sais pas si je vais y réussir, on va voir. Donc 6. Ouh, pas mal. Euh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ça passe. Donc si tu arrive à péter le ninja. Hop là. Parfait. J'ai toujours un de moins. Donc TQ a joué, on passe à Loni. Loni n'a plus de jetons, donc il fait un renfort. Donc un ninja et un garde. Alors là, du coup, il n'y a plus de place pour les renforts ici. Donc les renforts seront automatiquement là. Donc le ninja, bah, il peut arriver que là, et le garde. C'est là, je pense, c'est le plus près. Je vérifie s'il y en a d'autres. Bah non, de toute façon, c'est pris là. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres emplacements de renfort, donc euh, voilà. Tous les renforts sont pris là à peu près. Ok. Fin, euh, fin euh, Ah mince, pardon. Ah, il y avait le l'eau qui devait jouer avant. Donc le Camilo se déplace de trois zones. Il a trois actions. Parce que lui, du fait que ce soit un disciple, il donne plus une action au Camille. Donc, le Camille de base, il a deux actions. mais là, il en a trois. Bon, après, euh, pff, je sais pas quoi. En fait, ce qui m'intéresserait, c'est de heal lui. Donc, il va faire une action de mouvement pour aller là. Et c'est tout. Il va faire que ça. Voilà. Comme ça, il va heal Noburo. Voilà, donc il a joué, puis voilà, terminé. Parce qu'il a zéro d'attaque, hein. Il ne peut pas attaquer, hein. il a 0 d'attaque, 5 euh, de def, 2 d'action plus une 3 et 3 de move. Donc euh, voilà. Ok. Après c'est ok, Et donc c'est fini. Donc toutes les cartes sont défaussées, bien entendu. Tac tac tac. On n'a pas pris de dégâts, donc euh... Ça va pour l'instant. Les pions sont remis dedans. Voilà. La carte est retournée. Voilà. Très bien. Nouveau tour. On peut réorganiser l'équipement. Je vais le faire. Je vais remettre l'arc à la place du katana. Voilà. Ok. Ok, ok. Euh... Ensuite. Nouveau tour de jeu. Bon, il n'y a plus beaucoup de cartes hein, du coup, puisque nos bourreaux, il lui reste deux cartes. Bah je vais lui mettre la faiblesse, c'est pas grave. Ah bah en plus, il va pouvoir se faire avec la faiblesse, je suis bête. Euh... Je vais lui mettre sa faiblesse et le cette carte-là à droite. Voilà. Ok, donc ça c'est fait, il n'y a pas d'autre choix. Tiku il reste deux cartes aussi. Je vais lui mettre la discrétion à gauche. Et à droite, les stats. Ok. Et pour par contre, pour Genji, il lui reste une carte supplémentaire parce que je n'avais pas joué autant. Je vais lui mettre le plus 1 de move. En plus, il y a plus 3, donc c'est parfait. Et à gauche, je vais lui mettre... Euh, retirer deux au résultat de vos tests d'interrogatoire. De toute façon il va faire une, deux, trois... Oh, il va faire que ça. Donc euh, je vais lui mettre. Euh, Celle-là. Tir précis. Au cas où. Et je vais lui mettre le plus de move. Voilà. Et il lui reste une carte du coup. Il faudra que je joue forcément au prochain tour. Pas le choix. Il lui reste qu'une. Voilà pour moi. Au niveau du stuff, c'est bon. Les cartes initiatives, je vais commencer par Genji. Ensuite, Tiku. Et ensuite, Noburo. Noburo, je lui ai mis un peu de défense, donc normalement, ça devrait aller. Même s'il se fait attaquer, il a de la def. Ah, quoique. Hmm. Non mais si ouais ça devrait aller. Ce qui va heal en plus, donc euh, pas de souci. Alors on y va pour l'ONI. Donc l'ONI, on avance. Et là le problème c'est que regardez il se passe au tour numéro 4, je suis obligé de faire une accusation. Et le problème c'est qu'on n'a pas évolué au niveau des indices. Ce qui fait que là euh, si je perds l'accusation malheureusement l'ONI va gagner un maximum de points. Mais bon, j'ai pas le choix. À moins que je gagne l'accusation, mais je doute hein, quand même. Une chance sur quatre à chaque fois. Ça me paraît bizarre de réussir, mais bon, après un coup de bol, hein, on ne sait pas. Euh, donc, ça, on verra après. Il faut, faut le positionner, bien sûr, mais on verra après. On va d'abord piocher sa carte. Hop. Pour voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Ninja déguisé. Ah mince. Remplacer deux gardes de Ransbir par des ninjas. Ah. C'est pas cool, ça. Alors du coup c'est ninja déguisé. Je regarde là, est-ce qu'il y a un truc dessus Non. Ok. Si je crois qu'il y avait un, c'est la boîte de base ça, non Je crois qu'il y a un truc au niveau de la boîte de base. Tu vois C'est ouf. Non, il y a rien en fait. Euh, remplacer deux gardes de Hansbiir par des ninjas. Alors personnellement, si je suis l'oni, je remplacerai pour bien pour bien embêter. Je remplacerai lui, lui déjà en ninja. Voilà. Pourquoi Parce que je ne le contrôle pas. Lui, je ne le remplacerai pas parce que je le contrôle. Vous voyez, je le contrôle avec ça, donc ça ne sert à rien de le remplacer. Le but, c'est de ralentir les, les héros. Et puis, le deuxième que je remplacerai, bon, ça sera peut-être pas sur cette tuile-là. Ça sera euh, peut-être plus là. Après, il y en a un autre ici. Hein. Il y en a un autre ici tout seul. À la rigueur, on pourrait peut-être le remplacer. En termes de mouvement, euh, il serait peut-être plus. Ouais. peut-être plus judicieux de remplacer lui. Parce que là, ils sont obligés de prendre la, la passerelle et tout, ça va les faire. Euh, ça va être chiant pour eux. Enfin, le temps d'arriver, ça va être pénible. Bah, quoique. Ouais, si ouais. Bah après voilà, a, on, peut, on peut évidemment faire euh, choisir. Euh... Enfin, il peut y avoir plein d'excuses différentes, hein, ça c'est sûr. Viens là le ninja. Je sais pas en fait lequel on prendrait. Le plus proche, ouais, bah, le plus proche, euh... c'est lui. Le plus proche, c'est lui. À la rigueur, on pourrait peut-être mettre lui. En fait, si je suis Loni, je me dis, bon, les joueurs, ils vont peut-être se barrer en passant la passerelle. Et si je mets tous mes ninjas là, forcément... Euh, ils vont se faire avoir quoi. Donc je préfère à la rigueur en mettre un ici à la place du samouraï. Parce que les samouraïs pour l'instant je les contrôle pas. Voilà. Et comme ça au moins lui il viendra emmerder euh, s'il arrive à, à, à franchir. Voilà. Donc moi si je serais l'ONI personnellement c'est ce que j'aurais fait. Et c'est ce que évidemment je vais faire. Puisqu'on se met dans la peau de l'ONI pour essayer de faire le plus pourri. Donc je pense que c'est vraiment le plus pourri pour les héros. Ok. Donc ça c'est bien. Enfin c'est bien. Pour nous non mais pour lui oui. Et ensuite, tour impair, non, là on a un tour pair, donc il faut poser le pion, puisque je vous disais tout à l'heure. Donc placer un pion corruption sur la tuile non corrompue avec euh, donc, au moins un héros et le plus de garde. Donc là, ça sert à rien de le poser, hein, puisque ça marche pas. Donc là, il y a il n'y a pas de... Il n'y a pas de tuile où il y a des gardes et un héros, d'accord À part cette tuile-là, mais là, il y, un... y a déjà un pion corruption. Ce qui fait que euh, le créateur du jeu m'a dit qu'on était obligé de le positionner, le, le pion corruption, et il m'a dit que zéro, ça comptait. Alors pas zéro au niveau des héros, mais zéro au niveau des gardes. Ce qui veut dire qu'il faut forcément poser le pion corruption là où il y a un héros. Ok, ça c'est obligatoire. Donc, sur une tuile où il y a un héros, même s'il y a zéro garde. D'accord Donc là, il n'y en a pas 50 des tuiles là où il y a un héros, il n'y en a qu'une. Que celle-là, il y a deux héros, mais il y a déjà le pion corruption, donc je ne peux pas le poser dessus. Et la deuxième, bah, c'est celle-là. Donc là, hop, on pose le pion corruption ici, sur cette tuile là où il y a TQ. Voilà, même s'il y a zéro garde, on pose quand même le pion corruption ici, c'est ici que c'est posé. Bon, il bah, n'y a pas de garde, donc il ne pourra pas les activer forcément, mais bon, on ne sait pas si à un moment donné les gardes viennent ici. Euh, voilà. Si jamais il y avait une égalité, si par exemple ça vous arrive dans une game où il y a une égalité, bah, vous avez, euh, euh, par exemple, je ne sais pas, moi je dis là il y a une égalité, par exemple, euh, bon bah là non, parce qu'il y a un garde. Et si par exemple c'était là, il n'y avait pas de garde, hein, on imagine, il y a égalité entre ici et là-bas, bah, c'est l'initiative qui est prime. Ok, voilà, si jamais vous posez la question. Ok, donc là, bah, voilà, ça sera forcément là-bas, parce que c'est la seule tuile où il y a un héros, où, euh, où il n'y a pas de pion corruption, donc ça sera là-bas. Très bien. Donc là, euh, ok, parfait pour ça. Ça nous de jouer. Pas à nous de jouer, on passe... Euh... Ah non, pardon, on n'oublie pas de mettre sa compétence. Excusez-moi. Et eh oui, et là, il augmente euh, les gardes, pour le coup. Attends, euh, non, j'ai oublié la compétence d'avant, là. Au tour 3. Bah ben oui, au tour 3, il y avait une compétence. Alors, au tour 3, il devait augmenter ici. Je ne euh, l'ai pas mis. Hein. Tour 1, c'est là. Tour 2, c'est là. Tour 3, c'est là. Je lui ai pas mis, je reprends la carte d'avant et on voit que la flèche elle est en bas. Donc la flèche en bas c'est ici. Donc les gardes ils ont plus 1. Alors je l'ai pas appliqué je, parce que je me rappelais plus, j'ai oublié de le mettre. Bon je ne l'ai pas appliqué mais ça a pas changé, ça change pas grand-chose. Parce que sur les lancers de dés qu'on a fait, on a toujours fait 8 ou 9 touches. Sachant qu'ils ont 5 de, de bouclier, plus 1 ça fait 6. Donc il euh, n'y a, y a rien qui, qui ça change pas du tout. Il y a peut-être que sur la dernière action de Oko, mais comme Oko, il a, sur la dernière action de Oko, quand il a tapé, il a tapé un ninja, donc le ninja c'est là. Et le ninja n'était pas augmenté, c'était juste eux. D'ailleurs, là, ce tour-là, maintenant, on augmente par contre les ninjas. Donc là, les ninjas, ils gagnent, on voit la flèche à gauche en bas, tout en bas. Donc, ben, ils gagnent plus 1 aussi en def. Donc, je vais leur mettre un petit token pour m'en rappeler. Donc là, ils ont tous plus 1 en def. Voilà, donc même si j'ai oublié là le plus 1, ça change rien. Hein. Puisque toutes les touches qu'on a fait, c'est à dépasser largement. Et là on vient de. Là, du coup, vient d'augmenter maintenant les ninjas. Ils ont plus 1, les salauds. Ils vont être plus forts, bien entendu. Ok. Allez, on y va pour la phase d'activation. On commence par Genji. Alors, Genji, hop, ici, trois actions comme d'habitude. Euh, il va faire une action de mouvement. Donc, une action de mouvement, il vient ici. Malheureusement, il est obligé de s'arrêter parce qu'il y a un ennemi. Une action de mouvement, encore une, il va se déplacer dans l'ascenseur. Voilà. Il est obligé de s'arrêter aussi. Et pour sa dernière action, il va activer l'ascenseur pour avancer. On l'active et on arrive là. Voilà, on laisse les ninjas. On laisse les ninjas en place. Allez, au revoir, les gars. Voilà. Donc, là, du coup, on se retrouve ici à gauche. Et il a fait ses trois actions. Alors il a servi un petit peu à rien, mais bon il a libéré euh, Tiku, donc ça c'est ça qui est important. Évidemment. Sachant que là il n'y a pas d'adjacence, hein, si vous posez la question, il n'y a aucune adjacence, il faut faire le tour hein, bien entendu. Sinon ça serait trop facile. C'est pour ça que euh, j'ai voulu mettre un ninja là. Enfin, moi personnellement c'est ce que j'aurais fait. Mais on va peut-être aller d'abord chercher le pion euh, en quête, comme ça sera fait. En tout cas là déjà j'ai joué avec euh, Genji, donc c'est à l'ONI de jouer. Et donc, Loni, il joue les ninjas. Ah, comme par hasard. Allez, je prends une carte ninja, voir qu'est-ce qui se passe. Faites apparaître un ninja sur l'espace de renfort des créatures démoniaques le plus proche d'un héros. Ah, bah je peux pas. Pourquoi bah, Parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus de disponibles. De... Tous les renforts en sont utilisés. Donc, euh, comme tous les renforts sont utilisés, je ne peux pas faire spawn forcément. Donc là, il n'y aura pas de spawn parce que tout, ils sont tous utilisés, il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. Le, L'ONI les a tous utilisés. Okay. Ensuite, en 1, déplacer le ninja vers l'objectif le plus proche. Alors je vous rappelle que l'objectif, c'est. Euh, alors c'est ici. L'objectif, c'est le héros le plus proche du prochain pion objectif. Okay. Donc là, le héros le plus proche du prochain pion objectif. Donc le pion objectif, c'est celui-là. Donc le héros le plus proche, bah, c'est Tiku ou, euh, ou Genji, tous les deux du coup. Donc comme il y, y a égalité, eh bien, on prend l'initiative. Et l'initiative, c'est Genji. Voilà. Parce qu'ils sont tous les deux à la même distance hein, en termes de plus proche. Le plus proche, je vous rappelle que ça, ça se compte en zone. Donc comme ils sont sur la même, la même zone, c'est pareil. Donc par contre, ils vont préférer prendre Genji en, euh, dé, en combat, puisque Genji, euh, c'est l'initiative. D'ailleurs, il a zéro de défense. J'aurais peut-être dû y penser avant, mais bon, tant pis pour moi. Et ensuite, donc déplacer le ninja vers l'objectif le plus proche. Ok. Alors on peut voir, ils ont plus 2 en mouvement, plus un en combat, plus 1 en défense et plus zéro en action. Donc ça veut dire qu'ils ont deux actions. Ça va. On va commencer par là. Ils sont à côté. Donc première action mouvement. Une, deux. Et il tape Genji. Puisque son objectif, c'est Genji actuellement. Euh, ouais, ouais, je me suis pas trompé. Hein. Ben non, ouais. On nous dit que... Non, non, ouais, c'est ça. Hein. C'est bien l'initiative qui est prise. Pris. Donc, il tape à combien, le salaud Il tape à 6. Ouais, c'est énorme. Et malheureusement, Genji, comme par hasard, je ne l'ai pas bu le défense. Vous voyez, il a 0. Il a 3D en défense. Moins 1, il a 2. 2 en défense et 0. Donc il va se prendre... Pfiou, il va, ça, ça, va, ça va le piquer je pense. Il a 2 dés en, en défense, ouais, ça va le piquer. Hein. Il attaque à 6. Ouais, bon. Un qui, je relance quand même au cas où, mais bon, ça m'attendrait que je fasse un 6. Hein. Ouais, non, ça fait 2. Allez, un dégât. Allez, un dégât. Donc là, il a joué ses deux actions de ninja. Il a fait première action mouvement, deuxième action. Combat, il en a plus. On va jouer celui-là. Là. Donc, première action mouvement, ben, il, vient là. il va venir là, à côté, forcément. Et il tape, hein. il est adjacent. Hein. Ils sont tous adjacents, là, vu que c'est une petite zone. Et il tape Genji. Donc, même chose avec sa deuxième action. On lance les défense. à maintenant qu'il arrive à défendre, mais bon. Oh, quand même, hein. Alors, je vais mettre le petit qui, quand même, à deux. Je relance. Et non, 3. c'est raté dégâts et ils ont eu de la chance avec l'initiative parce que Tiku il a 4 de défense plus 2 hein, donc euh, ils ont vraiment eu de la chance euh, de cibler euh, genji pour le coup comme quoi quand, quand je vous dis que l'initiative est importante faut penser à tout euh, ensuite il reste les deux ninjas là bas eux ils sont quand même assez loin lui il va faire un mouvement pour aller ici c'est sa première action et sa deuxième action, il active la passerelle. Donc en fait, il nous ramène le salaud. Le salaud nous ramène. Regarde, il nous ramène. <laughs> le salaud. Bonjour. Euh, vous revoilà. <laughs> et il a plus d'action. Ah, euh, du coup, ben là, on s'est rappelé, on s'est appelé l'ascenseur euh, à la suite des autres, quoi. Pas de chance. Il nous a ramené là, les salauds. Ah là, c'est vraiment salaud, quand même. Donc, première action, mouvement. Deuxième action, action pour, pour ramener l'ascenseur. Et voilà, il a fini. Et puis, à l'autre ninja, maintenant, euh, lui, là. Donc, il va faire un mouvement. Je vous rappelle qu'eux, ils s'en foutent des ennemis. Et là, ben, en gros, soit il va venir là, soit il va venir là. Ben, pff, il va venir là. Ça arrange, ça arrange l'onny, bien entendu. Parce que si je le mets là, c'est plus facile pour le tuer. Donc, voilà. Et là, pour le coup, ah, on est entouré de ninjas. Ah, Allez, salauds ils ont rappelé l'ascenseur et on est entouré de ninjas. Donc tout ce qu'on a fait n'a servi strictement à rien. Ah, c'est pas évident. Hein. Euh, c'est pas évident de passer là. Hein. l'oni se défend bien, hein, pour le coup. Ok, il nous embête bien, quoi. Ça, c'est clair. Il va falloir qu'on accélère, hein, parce que sinon on va se faire défoncer. On n'aura plus de temps euh, pour faire la quête. Donc euh, ouais 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 déjà qu'en termes d'accusation je pense qu'on va se faire défoncer je vous le dis donc les ninjas ont terminé on va passer à TQ alors euh, on, est, on est au tour 4 on a la moitié vous vous rendez compte on n'a même pas trouvé encore un indice donc je vais faire première action activer la plateforme à un moment donné il va falloir arrêter les conneries donc on y retourne. Voilà, on retourne ici. Avec les ninjas qui nous suivent, mais c'est pas grave. Donc on retourne là avec les ninjas. Ça, je vais mettre au milieu pour dire que... Voilà. Deuxième action, bah, je fais un mouvement. Donc je sors d'une tuile avec des ennemis. Enfin, d'une zone plutôt. Donc je suis obligé de m'arrêter. Donc euh, je viens euh, par exemple ici. Je m'arrête. Et là, je pourrais être salaud, je pourrais renvoyer l'ascenseur pour pas que les ninjas puissent me suivre. Potentiellement, je pourrais le faire. Avec ma dernière action. Mais euh, le mieux, c'est peut-être se barrer quand même. Alors, soit... Ouais, bah non, de toute façon. Euh... Ouais, 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 ouais. Alors, si je pourrais peut-être l'interroger. Lui, j'ai combien Ah, j'ai que 3. Ouais, non, c'est pas assez. Ah, 3, c'est pas assez. Donc là, bah, je vais renvoyer ma dernière action. Je vais faire un mouvement. Et puis, euh, je vais aller ici. Et puis, je vais me mettre là, adjacent à ça. Comme ça, je, au prochain tour, je pourrais le prendre. Voilà. Yes. Dans les... Sur les traces de petites carpe. Ok, donc là, Tiku a joué. Je fais que du mouvement, du coup. Hein. Mais bon, c'est comme ça. On passe à l'ONI. On va voir qu'est-ce qu'il active. Samouraï. Samouraï, il ne peut pas. Puisqu'il n'a pas de pion corruption avec des samouraïs, donc je pose le pion. Et donc le dernier pion, ça sera forcément les gardes. Enfin, les samouraïs aussi, c'est des gardes, mais euh, les, les, les euh, Ashigamaru, là. Ashigamaru, il peut en activer un ici, puisqu'il est bien sur une file avec un pion corruption. Donc je prends une carte pour savoir ce qui se passe. Alors, déplacer vers l'objectif le plus proche. Ok, donc l'objectif le plus proche, c'est toujours pareil. Donc c'est TQ, hein. il veut clairement aller voir TQ pour le coup. Donc, euh, alors il a combien d'actions Il a une action supplémentaire, il se déplace à plus 1. Donc au total, il se déplace de 3 zones et il a 3 actions. Il va rappeler l'ascenseur. <laughs> il va rappeler l'ascenseur. Donc il fait un mouvement. Il n'a pas le choix. Donc première action, il a combien d'actions 3 actions. Donc première action, il fait mouvement. Il a pas le choix, il veut aller voir TQ, donc il vient dans cette tuile là, donc il va venir là, il n'y a qu'un seul emplacement. Et il est obligé de s'arrêter parce qu'il est avec un ennemi. Deuxième action, Et ben regarde, hop, il sort d'une tuile avec un ennemi, donc il est obligé, il va se mettre là, il est obligé de s'arrêter. Et troisième action, il refait un mouvement, sauf que, mais il peut pas, il est bloqué. Voyez, il faut que lui appelle l'ascenseur, que là ils sont tous dans le couloir quoi. ils sont tous bloqués. Donc là, pour moi, il va rester là. Il ne peut, peut pas appeler l'ascenseur, il faut être sur le, le orange pour appeler l'ascenseur. Oui, il est là, l'orange. Donc là, à cause du ninja, il est bloqué et il reste là. Il attend l'ascenseur, entre guillemets. Donc là, il a fini de jouer, c'était le seul qui a, activé, qui a été activé. Voilà. Ok pour lui. Et puis on passe à nos Alors, nos trois actions. Il a sa faiblesse, donc on commence par sa faiblesse toujours en début de tour. Donc, euh, les attaques des yokai et des oni euh, infligent plus un dégât supplémentaire, mais bon, là on s'en fout. Et après, retirez de votre fiche d'identité autant de pions dégâts que la valeur de votre caractéristique santé. Il y a une valeur de caractéristique de santé de 4, donc je peux en retirer 4. Donc en fait, il se fait il entier. Voilà. Et malheureusement, le. Donc sa faiblesse, je, la... je peux la défausser. Hein. Elle a été jouée. Malheureusement, l'Oni va servir à rien. Parce que l'Oni, l'eau qui était là. Ah d'ailleurs, je ne l'ai pas joué après TQ, pardon. J'aurais pu le déplacer. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu le déplacer. Il serait servi à pas grand-chose, mais euh, j'aurais pu. Bon, on va laisser là. D'ailleurs, bah, il disparaît, d'ailleurs. pardon. Après TQ, il disparaît parce que je le joue et il disparaît. Voilà, donc en fait, il a servi à rien. Il n'a même pas pu heal. Quand on met un oni, il y a tout intérêt à rejouer le personnage en dernier, comme ça ben, il reste plus longtemps. Mais bon, là, de toute façon, ça ne servit à rien, puisque Noburo, c'est il est. Donc là, en fin de compte, l'oni que j'ai utilisé n'était pas si bien choisi que ça. Comme quoi, vous voyez, des fois, le fait de... Même si on calcule, ben, on peut se tromper, la preuve. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, euh, Noburo, qu'est-ce qu'il fait ben, Noburo, il va se positionner pour récupérer le deuxième indice, tant hein, qu'à Tant pis, des gardes. Euh, parce que le deuxième indice il est là et on ne peut pas le récupérer tout de suite. Donc il va faire première action. Il est à côté, il est adjacent au pion au, au pion euh, là-bas, là, ce pion-là. -là, c'est le pion, comment que s'appelle déjà ces pions-là? Je ne sais même pas. Suivant, c'est un pion suivant. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il vu que je suis adjacent au pion suivant, on va... Je vais demander au pion suivant. De nous aider. Donc c'est qui oh, C'est nos Nochim vient à notre, à notre aide. Bien, bien, bien. Donc je vais chercher Nochim et il vient à notre aide. Nochim qui était dans le qui était dans le salon de thé, implanqué. Hein, euh, en fin de compte, il vient nous aider. <laughs> c'est bon, ça. Alors Nochim, il y en a deux. Hein, à chaque fois dans les cartes, euh, les cartes suivantes, il y en a deux. Donc ils nous disent de choisir, ou alors vous pouvez le faire aléatoirement, ça c'est chacun voit son, son cas bien entendu. Donc on nous propose un Noshim qui est en mode heal. Une action unique, à chaque fois qu'il s'active, on lance un dé d'action euh, rouge. Euh, et du coup les alliés. Attendez. Ouais ah, pardon. Donc les alliés qui s'activent ce tour sur un espace adjacent à Noshim retirent un pion de dégâts de leur fiche d'identité. Donc c'est un healer. Ou alors, on nous propose euh, un petit noshim en mode vénère. Lancer un dé d'action rouge, encore une fois. Si on fait un double, à chaque fois, hein, si on fait un double, euh, choisissez une zone, sur votre, une zone sur votre tuile. Les personnages qui s'y trouvent subissent un dégât. Ah, je vais prendre lui. Je vais prendre lui, donc il va accompagner euh, nos bourreaux. On a bien fait de, de fouiller, hein. Vraiment, on a bien fait de fouiller. Ça, c'est cool. Et donc, hop, il arrive. À la place. Voilà. Nochim. Super. Ça, c'est la première action. Deuxième action, nos bourreaux fait un mouvement. Nos bourreaux ne peuvent se déplacer que de 1. Mais de toute façon, ce n'est pas très très grave, puisque quand il vient ici, vu qu'il est adjacent à un ennemi, il est obligé de s'arrêter. Donc je vais le mettre là à côté du garde. Et là, soit je le fais se barrer, soit je tue le garde. Je pense que je vais tuer le garde. Bon, après, j'ai que 4D. Dé... Que... Ouais. Je ne sais pas si je vais y arriver. Il a quatre défenses, le garde. Et moi, j'ai 4 dés de combat. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Non, je ne vais pas faire ça. Avec la dernière action, je vais refaire un mouvement. Et pareil, je peux me déplacer que d'une zone parce que je sors avec un ennemi et je vais me mettre là. Adjacent à ça, comme ça directement je pourrais prendre. Voilà, et maintenant c'est à Noshim de jouer. Donc Noshim il a deux actions. D'accord, il a deux actions. Lancez un dé d'action, choisissez une zone sur votre tuile, les personnages qui s'y trouvent subissent un dégât. Donc à la rigueur ça peut être intéressant de le faire, comme ça il tue le garde. Donc je vais faire ça, Premier... il en a deux hein, actions. Donc première action, euh, je tente. Le dé. Il faut faire un double pour réussir. Donc euh, j'ai une chance. J'ai deux chances sur 6. On va voir si on y arrive. Allez. Raté. Euh, raté. Alors le qui on ne le relance pas, je pense pas. Il hein. faut vraiment faire cette face-là. Donc là, c'est raté. Et bien deuxième action, je recommence. Oh oui, réussit. Donc là, comme je réussis, j'inflige un dégât à tous les personnages qui se trouvent, choisissez une zone sur votre tuile. Les personnages qui s'y trouvent subissent un dégât. Je choisis cette zone-là. Tous les personnages qui s'y trouvent, donc lui, subit un dégât. Et du coup, il est capote. Parce qu'il a un point de vie. Voilà, merci Noshim, pour ton aide avec ton parchemin magique. Euh, il a joué, on passe à l'Oni. L'Oni ne peut pas activer de personnage. Donc, il y aura un renfort avec un ninja. Un samouraï. Le ninja au plus près d'un héros. Bah, euh, d'un héros ou d'un allié Ah ah, c'est peut-être pas pareil. Ben non, mais de toute façon. Ah ouais, attends, attends, attends. Au plus près, au plus près. Au plus proche des héros. D'accord Et Noshim n'est pas un héros. Hein. Noshim est un allié, c'est pas pareil puisque c'est pas... pas un héros, c'est un suivant. Donc là, en fait. Il est à une zone, deux zones de lui, d'accord Alors que si on regarde Tiku, Tiku, il, il, euh, il, est, il, est, il, est, il est dessus, quoi. Donc là, le ninja, il va forcément apparaître ici, pas le choix. Et pour le, le garde, le garde, je vous rappelle que leur capacité, c'est qu'ils peuvent apparaître n'importe où, enfin, c'est-à-dire soit sur un démoniaque, soit sur un normal, ça, c'est leur capacité, ok et là, comme il n'y a plus de zone de réfort euh, pour les gardes, il n'y en a plus. Il ne reste plus qu'une zone de démoniaque. Donc forcément, il va apparaître sur une zone démoniaque ici. Forcément, il n'y a pas le choix. Voilà. Il apparaît là. C'est le seul endroit où il peut apparaître. Et comme en plus, c'est sa capacité, il peut le faire. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, il a joué. Fin du tour. Alors, on regarde au niveau des dégâts. Ah, malheureusement, Genji, alors je défausse ses cartes. Et Genji, vous voyez, il a 3 pions dégâts pour 3 points de vie. Donc, il va malheureusement subir. Un, une blessure. J'enlève les cartes de tout le monde déjà. Hop, je les mets là. Eux, je les retourne. Retourner, c'est-à-dire que ça a été utilisé, bien sûr. Pour l'instant, les samouraïs n'ont pas été activés. On a de la chance. Euh, alors. Avant, avant ça, je dois faire l'accusation. Je suis obligé de le faire, puisqu'on est au tour 4. Et au tour 4, euh, je vous rappelle que c'est le pion rouge de corruption. Donc on est obligé de faire une accusation. Donc là, je dois faire une accusation. Malheureusement, je n'ai pas plus d'indices qu'avant. Donc j'ai qu'une chance sur euh, je ne sais pas combien. Donc ce que je vais faire, alors soit euh, je vais accuser... Euh, soit j'accuse au niveau de la nature de l'ONI. Soit j'accuse au niveau de l'autre. De il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que si je réussis, j'ai un coup de bol ben, et que je découvre l'autre, la, ben, l'ONI apparaît. Voilà. Donc, euh, tout simplement. Et du coup, ça arrête le fait qu'elle progresse. Ça peut être pas mal. Remarque, ça peut être pas mal. Et si je découvre la nature, c'est juste pour nous donner de l'aide. Par exemple, vous voyez, ONI Cage. Plus un point de dégâts euh, pour ONI Cage, par exemple, si je découvre sa nature. Mais là, ce n'est pas l'ONI Cage, forcément. Ça ne peut pas être lui. Pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais Est-ce qu'on y, y va au culot avec l'autre Mais bon, l'autre, j'ai une chance sur 4. Ouais, euh, non, j'ai une chance sur 5. Une, deux, trois. Oui, j'ai une chance sur 5. J'en ai deux. J'ai la servante, la courtisane. Le reste, c'est pas sûr. Donc, j'ai une chance sur 5. Bon. Alors que la nature de l'ONI, j'ai une chance sur 4. Donc, je pense qu'on va peut-être plus partir sur la nature. En espérant avoir un coup de bol, parce que si j'ai pas de coup de bol, malheureusement, je donne encore des points à l'ONI, et l'ONI va être super fort en termes de points. Mais bon. Euh... Comment je peux faire Je réfléchis un petit peu. Ouais, ouais, ah là là, c'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud. Je vais donner plein de points à l'ONI, c'est chaud. On va y aller avec la nature, il n'y a pas le choix. Ok, au niveau de la nature de l'ONI, donc je vais annoncer et je vais dire. Alors, la première fois que j'ai accusé, j'avais accusé la Miryoku, ok, et c'était un Yama. La deuxième fois que j'ai accusé, j'ai accusé un Miryoku et c'était un Orio, un Soryo, pardon. <laughs> Mais euh, c'est vraiment au pif hein, ce que je vous dis. Donc là, je vais accuser. Je vais accuser, je vais accuser. Vraiment au pif, j'en sais rien. C'est vraiment au pif. Et, écoutez, je vais accuser un sorio. Allez, on y va pour accuser un sorio en espérant que ce soit ça. Mais euh, ça me donnerait quand même une chance sur 4. J'accuse un sorio. Attention. Oh, c'est un sorio. La chance. J'ai pas vu la carte du dessous, donc je sais pas l'autre. Donc, j'ai pas besoin de refaire. Donc, j'ai réussi à trouver la nature de l'ONI. Waouh! Alors là, c'est la chatte. Hein. Une chance sur 4. Euh, du coup, il aura moins de force. Parce que du fait que j'ai trouvé sa nature, forcément, ça va m'aider. Euh, ok. Donc, on va se combattre contre un Sorio. Pour info. Je ne sais pas. J'ai jamais combattu un ONI Sorio, Donc, je ne sais pas trop quoi ça correspond. Alors là, c'est la chatte. Hein. Une chance sur 4. Et heureusement que j'ai trouvé, comme ça, ça évite que Loni gagne des points. Parce que sinon, j'aurais dû lui donner la grande carte. La grande carte, celle-là là. Ultime accusation. Et celle-là, c'est 4 points. J'aurais dû lui donner 4 points. Là, du fait que j'ai eu de la chance, parce que là, c'est clairement de la chance, je vous le dis. Et eh bien, euh, j'évite de lui donner 4 points. Donc là, hop. Je lui mets la carte ici pour dire que c'est un 11 combat contre un Sorio. J'ai eu vraiment de la chatte. Hein. C'est vraiment coup de bol. Hein. Waouh. Oh la chatte. Une chance sur quatre. <laughs> alors là, c'est de la chatte. <laughs> c'est clair. Ok. Ah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. C'est la chance du débutant. Euh, donc là, je prends une blessure. Hein. Donc j'enlève les trois. Je prends une blessure pour Genji. Alors, le paquet blessure. mélange voilà à ah, la chance j'en reviens pas quoi vraiment la chance blessure votre héros retire deux succès au résultat de jet d'attaque ou alors moins un de force ok je lui mets dans son deck il lui reste qu'une carte qui sera obligé de jouer en plus donc euh, voilà ah ouais, alors là, là, non, mais là, c'est vrai que j'avoue que là, j'ai eu de la chance. Là, j'ai eu de la chance. Vraiment beaucoup de chance. Le reste, c'est bon. Euh, alors, au niveau de la fin de tour. Donc, on a fait ça, l'accusation. On peut réorganiser l'équipement. C'est bon. On peut... Bah, c'est tout. Tout est bon. On va pouvoir passer un nouveau tour. Allez, nouveau tour de jeu. J'ai plus de cartes pour TQ ni pour nos bourreaux donc faut que je récupère, il a pas le choix. Alors tq nos Voilà. Ça c'est la défausse pour Jenkins. Enfin, Kenji là, hop, ok, nos euh, Donc j'ai toutes les cartes, donc ça c'est cool. Alors, le principe, c'est que lui, il va récupérer le deuxième pion. Puis après, une fois qu'il aura euh, récupéré le pion, bien, il peut rejoindre. Il peut rejoindre évidemment les autres. Donc euh, là, euh, l'idéal, c'est qu'il va faire une action, puis après, il va se déplacer, sachant que euh, il n'a pas beaucoup de mouvement ben oui, à cause de de son moins 1. J'ai pas envie de lui mettre un moins 2 de combat parce qu'au cas où il se fait attaquer. Celle-là peut être intéressante à jouer. À droite. À gauche euh... à gauche euh... ah, il y a le saut, c'est vrai, il y a le saut lui. C'est vrai que c'est pas mal ça le saut. J'avoue, mais bon euh, ah ouais si c'est pas mal le saut déplacez vous de trois zones ah ouais c'est pas mal ça c'est pas mal j'avoue que c'est pas mal mais je vais peut-être pas utiliser tout de suite non je pense que là je vais faire plein d'actions pour virer ces pions là tout pourri donc en fait il va rien faire de plus je vais jouer qu'une seule carte je vais jouer une carte défense il n'y en a pas 50 Ouais, je vais jouer la force du colossus. Je vais faire que ça. Que la force du colossus. Je vais lui mettre à droite. Si vous allez comprendre pourquoi. Après. Ok. Pour euh, Genji, je n'ai pas trop le choix. Il lui reste qu'une seule carte que je suis obligé de jouer. Donc je vais la jouer à droite. Ça va lui faire de la défense et de l'attaque. Et à gauche, je peux lui jouer la, la blessure. Mais je ne suis pas obligé. Parce que c'est peu importe. Je ne vais pas la jouer. Je la garde en main. Voilà, je la garde en main de toute façon, parce qu'après je récupère le deck, donc autant la garder en main. Et pour Tiku, bah Tiku lui va faire une action pour prendre le truc là. Et après l'idéal, c'est comme lui, il va prendre le deuxième. L'idéal serait d'aller chercher le troisième qui est assez loin. Il est tout au fond là-bas et il est sur une tuile interdite. Donc il euh, faudrait demander à Tiku qu'il puisse le, le récupérer, quoi. sachant qu'il va, il va jouer en premier TQ. Donc première action, il va faire le, le token. Okay. Deuxième action, il va se déplacer. Et vu qu'il y a un ninja, donc il est obligé de se déplacer ici. Et troisième action, il faut qu'il se redéplace. Donc là, je ne pourrais pas prendre le dernier token. Dans tous les cas, je ne pourrais pas le prendre ce tour-là. Donc euh, l'idéal, passage secret, placez-vous sur un espace situé de l'autre côté du mur délimitant votre zone. Ouais pas trop l'intérêt par contre la discrétion ça peut être pas mal les tests de discrétion sur une tuile interdite sont automatiquement réussis ça ça peut être bien il n'y a qu'une zone là où il y en a deux il n'y en a qu'une, il n'y a qu'une grande zone ici donc ça c'est très très bien du coup parce que ça va nous aider clairement mais le problème c'est que je l'ai plus après bah ben ouais mais bon pas le choix puis après, pour enquêter, euh, pour enquêter, ça va être plus dur, forcément. Parce que je n'aurai pas les discrétions. Mais bon. oui, oui, oui. De ouais. euh, toute façon, euh, ou alors, je prends le jeton. Je prends le jeton. Mouvement. Bah ouais mais c'est pareil là c'est une tuile interdite. là c'est une tuile interdite aussi ici donc même si je vais là pour enquêter il y a une tuile interdite. À la rigueur, je pourrais finir mon tour là avec la discrétion, c'est pas mal. Ouais je vais faire ça. Donc je vais mettre discrétion à gauche et à droite. Euh, je pense pas qu'il se fasse attaquer. Donc euh, à la rigueur, il a combien de move de. Ouais. À droite, il n'y a pas trop d'intérêt. On va mettre une carte en vrai. Ouais, non. Ah, si, il euh, y a un intérêt à mettre plus 2, pardon. Plus 2 s'il fait le test. Ah, bah non, ça sera après. Ouais, ça sera après. Ça sera après, donc euh, je ne vais rien mettre à droite. Je vais mettre juste une carte à gauche, ça me paraît bien. Ok. Donc là, tout le monde a mis les cartes. Ah ouais, c'est vrai que je pourrais me téléporter aussi. Bah ben, je le ferai après. Ah ouais, c'est vrai que je pourrais me téléporter. J'avoue que ça peut être pas mal. Une, deux... Ouais, bah, il n'y a pas le choix. Ouais, il n'y a pas le choix. Mm -mm. Bon, bah, écoute. Non, mais... Euh... Non, mais ça me paraît bien, là. Il y a un A, il y a une... Ici, il y a un spawn, ici. j'avais pas vu. C'est un spawn de garde. Donc, les ninjas, tout à l'heure, on a dit que c'était le ninja. Donc, tout à l'heure, le ninja, il pouvait pas spawn là parce que c'est qu'un spawn de garde. Et euh, bien faire attention qu'il y a un spawn ici de garde. Si au cas où un jour un, on doit faire un spawn de garde et qu'on ne peut pas. Je crois pas que ce soit arrivé. Je crois que c'est que sur le ninja où c'est arrivé, on ne pouvait pas. Mais là, il ne peut pas se mettre là. Donc il n'y a pas de souci. Je pense que ouais, je vais rester là-dessus hein, pour l'instant. Puis on verra après. Le problème, c'est quand on va sur, une, sur un une, truc euh, comme ça, interdit, il faut faire un test. Et si on rate, bah, on se fait attaquer. Donc, l'arbalète, euh, les gardes nous attaquent puisqu'on n'a rien à foutre là. Donc faut pas rater quoi. Donc euh, je vais rester comme ça. Donc initiative, on commence évidemment par TQ, il n'y a pas le choix. Parce qu'il faut qu'ils prennent en premier l'objectif, puisque le, je ne pourrais pas prendre le deuxième, sinon. Donc je vais commencer par TQ, obligatoirement. Ensuite, je vais jouer... Une... Deux. Trop Noburo et Genji. Si tout va bien, si tout va bien, je pourrais prendre les trois objectifs en un tour, d'après mes calculs. Si tout va bien, je dis bien. Donc euh, voilà, à voir, mais si tout va bien, je pourrais prendre euh, normalement les objectifs en un tour. fait voir Genji. Attendez, ah, mais j'ai plus de cartes en hein, Genji. Ouais, je suis obligé de jouer celle-là. J'ai pas le choix. Ok. On va voir. Donc on avance pour l'ONI. Il passe au tour 5. Donc il améliore. 1, 2, 3, 4. Il améliore donc euh, en bas. Alors on va regarder la carte. Et on voit que c'est en haut. Donc il améliore ici. Les gardes retirent un dé aux attaques qui les ciblent. Donc les gardes retirent un dé aux attaques qui les ciblent. D'accord Donc quand on les attaque... On a moins un dé en gros sur les gardes. Les gardes, c'est les samouraïs, euh, les gardes, ouais, les gardes. Les gardes, c'est les samouraïs et les ashigamaru. Donc quand on les attaque, on a moins un dé. retire un dé aux attaques qui les ciblent. Ouais, c'est ça. Donc moins un dé, sachant que euh, on enlèvera évidemment un dé rouge. Hein, c'est le dé le plus fort. C'est un peu logique. Donc ok pour ça. Ils deviennent plus forts à chaque fois. De hein, toute façon, dès qu'on a... Tant qu'on n'a pas découvert l'oni, ils deviennent plus forts. Oh non, j'ai eu une carte renfort, je sais pas c'est quoi. Renfort, placé. 4 garde. Waouh. Sur les espaces de renfort de garde les plus proches des héros. Waouh. Wow. Ça c'est chaud. Alors... Eh ben, en termes de garde, euh, en termes de figurines de garde, il reste deux Hashimageru et deux euh, ninja, euh, deux euh, samouraïs pardon. Ok, il reste deux et deux. Et on nous dit placer quatre spire garde. Donc en fait, il faut placer les quatre, mais je suis pas sûr qu'on ait quatre spawns. Hein. Je suis vraiment pas sûr qu'on ait quatre spawns. Donc, il y en a un là, il y a un spawn là, je vais placer un garde Shimagi machin là. Et il y a un autre spawn ici, je vais placer un samouraï pour dire qu'on compose un peu tout. Et voilà, il n'y a pas d'autre spawn. Ça veut dire que les deux autres ne peuvent pas spawn, il n'y a, a plus de spawn de, de libre. Donc, euh, voilà. Donc là, j'ai placé le maximum que je pouvais placer. Donc euh, voilà, j'en ai placé un de chaque, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ça me paraît pas mal. Ok. Donc la carte est défaussée. Ensuite, comme on est sur un tour. On est sur un tour impair. Alors, s'il y a une tuile corrompue sur laquelle il n'y a aucun garde, enlevez le pion posé sur cette tuile. Effectivement. Cette tuile-là, il n'y a pas de garde. Il n'y a que des ninjas. Et après, on remet, poser le pion corruption sur la tuile non corrompue avec le plus de gardes et au moins un héros. Alors, ben ça peut pas être, euh, ça peut pas être ici parce qu'elle est déjà corrompue, celle-là. Cette tuile-là est déjà corrompue, donc ça peut pas être là. Euh, par contre, alors, il y a égalité, il y a égalité entre. Ah bah non, là il y a un garde, donc c'est cette tuile-là qui est corrompue. Celle-là devient corrompue parce qu'il y a, il y a Tiku qui est là donc forcément ça sera ici puisqu'il y a TQ il y a un garde donc forcément c'est celle-là qui est corrompu. voilà ok donc on va pouvoir pa passer à la phase d'activation et c'est TQ qui commence première activation et il active ça il faut être adjacent pour l'activer je vais vérifier mais normalement c'est ça euh, scénario 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 Alors, un héros adjacent à un pion objectif peut dépenser une action pour le placer sur sa fiche. Donc voilà, je le place sur ma fiche. On a pris le premier message de petite carpe. Bien. Ensuite, deuxième action. Il va faire un mouvement. Il est dans une zone avec un ninja, donc il sort de la zone. Il va aller ici. Il est obligé de s'arrêter parce qu'il sort d'une zone avec un ninja. Et troisième action, il refait un mouvement. Il vient ici sur une tuile interdite. Donc normalement, c'est automatiquement un échec. Mais comme il a la discrétion, les tests de discrétion sur une tuile interdite sont automatiquement réussis. Donc là, c'est réussi. Donc il ne se passe rien. Il arrive à se planquer. Voilà, c'est exactement ça. Et il arrive à se planquer à côté de lui, qui pourra l'interroger juste après. Dès que vous faites un mouvement sur une tuile interdite, normalement, il faut faire un test. Sur une tuile comme ça où il y a le petit symbole, euh, ici ça veut dire que c'est tout le temps un test qui est raté. Mais grâce à sa compétence de discrétion, il arrive à passer outre. Donc ça c'est bien joué. Bien joué, TQ du coup. Bravo à toi. Et on passe à Loni. Donc je remets les trois pions. Hop là. Et on y va. Ça sera ninja. Il aime bien activer les ninjas en premier, Loni, tout le temps. Pour une carte. Alors, faire apparaître un ninja sur l'espace de renfort, il y en a pas. Il n'y a aucun espace de renfort disponible sur tous pris, prix, donc je peux pas faire apparaître de ninja. OK. Déplacer le ninja vers l'objectif le plus proche et après, il va attaquer. Plus une action, plus un mouvement. L'objectif cette fois-ci a changé. Je vous rappelle que l'objectif c'est le héros le plus proche d'un pion objectif, enfin du pion objectif. Le héros le plus proche du prochain pion objectif devant être ramassé, d'accord Donc c'est nos bourreaux. Il est plus proche du pion euh, qui doit être ramassé. Donc là, l'objectif, c'est nos bourreaux. Donc tous les ninjas veulent aller voir nos bourreaux et lui casser la gueule. Alors ils ont combien de mouvements Ils ont 4 en zone. On va commencer par ceux-là là-bas, c'est les plus près. Donc 400 zones et ils ont 3 actions par contre. Donc ça c'est énorme. Donc on va commencer par lui. Première action une, deux. Ça c'était sa première action. Il lui reste deux actions donc il va faire. Donc ça c'est la première action. Ces deux actions il va faire deux combats. Il a en combat, il a 4 en combat. Sa carte lui, a donné, lui donne plus d'héros, heureusement pour nous. Donc en fait il a 4 en combat. Il a plus 0 avec sa carte, le ninja. Donc 4. Et moi, euh, nos bourreaux, je lui ai mis de la def, heureusement. 3 plus 2, 5. Euh, non, pardon. 3 moins 1, ça fait 2. Plus 2, 4. Il a 4 en défense. Ok. Donc 4 en défense. Il a 2 noirs, 2 rouge. Voilà, 2 noirs, 2 rouge. Ok. Et les ninjas ont 5. Donc première action. Allez, première action. Non, les ninjas ont 4, pardon, les ninjas ont 4, donc il faut faire 4. Euh, 1, 2, 3, raté, il se prend un dégât. Chance. Ok, je lui mets un dégât. Et deuxième action, même chose, on recommence. 1, 2, 3, 4, cette fois c'est réussi, il ne prend pas de dégâts. Donc le ninja a joué, celui-là a joué, celui-là va faire la même chose. Exactement la même chose, il va se mettre ici. Et il l'attaque deux fois, pareil, puisqu'ils ont toujours le même nombre d'actions. De... Donc c'est parti. Une, deux, il se prend un dégât. Ah là là, il va avoir mal avec les ninjas. On recommence. Deux, trois, quatre, ça passe. Ok, j'avais pas prévu qu'ils allaient tous l'attaquer. Donc ça, c'est ces ninjas-là. Ok. Ensuite... ils ont trois zones ouais, trois zones alors là du coup ça peut évidemment changer si par exemple on active eux bah, ils vont démarrer la passerelle et se et démarrer la passerelle mais du coup par rapport à l'oni si on prend évidemment le, 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 le truc le plus pourri pour les héros, ben c'est que lui vienne avant qu'il démarre la passerelle et en même temps je ferai l'ONI, c'est ce que je ferai évidemment. Ça semble logique de le jouer comme ça évidemment. C'est euh, voilà, facile de se mettre dans la peau de l'ONI hein, pour ce coup là. Donc j'active lui, donc première action déplacement, donc il arrive ici. Deuxième action, il active la passerelle. Donc, il ramène Genji, malheureusement, en bas. Enfin, dans la cour. C'est pas pour m'arranger. Et troisième action, il se redéplace. Et il se, redé... il se déplace de quatre zones. Une, deux, trois. Et malheureusement, il ne peut pas attaquer parce qu'il n'a plus d'action. Il reste les deux autres. Il se déplace. Là, il y a... Ah, il y avait un... Ici, il y avait un... Je ne l'avais pas vu. Il y avait un... Y a un renfort ici, pardon. Je ne l'avais pas vu. Donc, il faut que je mette un, un garde ici. C'est un renfort de garde. Euh, pour, la card, pour la carte de renfort, je ne l'avais pas vu. Donc, je mets un... En fait, c'est vert sur vert. Donc, je n'avais pas vu. Donc, je mets un garde ici. Voilà. Il n'y a pas eu de, pas eu de triche. Hein. Et donc, le, là, il n'y a pas de point ici. Donc, je suppose qu'on ne peut pas mettre le ninja. Donc, le ninja, il va simplement aller là, au plus près. Voilà. Et celui-là, la même chose. Il va aller au plus près. Donc, il va aller là. Ce qu'il veut... Euh... En fait, ils l'entourent tous parce qu'ils veulent pas, absolument pas, qu'ils prennent l'objectif forcément. Donc là, tous les ninjas l'entourent, tous les ninjas de Loni, ils l'entourent. Et du coup, nous, ça va nous, arr... enfin, ça nous va nous arranger. Ça va peut-être, ouais, ils veulent essayer de le, de le péter quoi. Donc là, tous les ninjas ont joué. Je revérifie quand même la map voir si j'ai pas. Attends ça, ah mais c'est un renfort vert, pardon un renfort vert. Bon, c'est pas grave. Hein. J'ai mis quand même lui. Mais renfort vert, en fait, c'est pour euh, les ninjas justement. Donc là, il aurait dû avoir un ninja tout à l'heure. Bon, moi, je l'avais pas vu. faudra vraiment que je regarde bien comme il faut les maps avant de commencer le jeu. Limite que on mette un petit pion pour dire les renforts parce que c'est vrai que les découvre petit à petit parce qu'on les voit pas forcément. Ils sont tout petits. Et euh, ouais, ça peut être problématique. Il y a un renfort ici, là, tout petit là. Ici, il en un plus. Voyez. Mais là, c'est vrai que vert sur vert, je ne l'avais absolument pas vu. Hein. Bon, je ne peux pas revenir en arrière, c'est trop tard. Je ne pense pas que ça change grand-chose, mais bon. La prochaine fois, il faudra faire attention. Je pense que vraiment, pour le prochain scénario, je regarderai la map de fond en comble pour voir où sont tous les renforts. Et je mettrai peut-être limite un petit token même, pour vraiment savoir où ils sont. Voilà. Ce n'est pas très grave hein, pour cette game-là. Tous les ninjas ont joué. On passe à Noburo, justement. Première action, il active l'objectif, le... donc ça c'est très bien c'est le deuxième objectif qu'on a pris et puis là, bah, à la rigueur, il va, il va se barrer hein. <laughs> on va laisser, on va même pas attaquer les ninjas, on va se barrer, on laisse les ninjas, on se casse bon ils vont venir nous rejoindre hein, vous inquiétez pas, mais euh, ça peut être marrant, alors là il y aurait eu l'oni du feu pour la porte ici ça aurait été juste insane, non mais là on va se casser hein. donc il va faire hop, action, mouvement il sort d'une zone avec un ennemi il va venir ici Action, mouvement, et il se déplace de deux zones, puisque je lui ai mis un plus 1. Il a 2 moins 1, plus 1, donc ça fait 2. Donc, il va faire une zone ici, une zone ici. Et voilà, il monte de l'ascenseur. Il les a grillés, en fait. Ils sont tous venus, il a pris et il se casse. Bien joué, Noburo. Fin de ton tour. C'est à Noshim de jouer. Parce que no Noshim joue après Noburo. Noshim, il va faire... Il va rien faire du tout. Il a deux actions. Sa première action, il va faire sa capacité rouge. Il faut qu'il fasse un double. On va voir. Raté. Il recommence. Raté. Dommage. Dommage. Sinon, il pouvait péter beaucoup de ninjas. Puisqu'ils sont tous regroupés. Mais il a raté deux fois. Pas de chance. On passe à l'ONI. Hop, je reprends un pion. Et ça sera... J'en sais rien. Ok. Il ne peut pas tous les activer, il peut activer que sur les tuiles corrompues. Donc là, il y a une tuile corrompue ici. Il y en a un ici qui peut activer. Et il y a une tuile corrompue ici. Mais il n'y a pas d'Hashimagaru. Donc en fait, là, il peut en activer qu'un seul. Donc je prends une carte pour savoir ce qui se passe. Déplacer vers l'objectif le plus proche. D'accord. Donc là, son objectif, encore une fois. Hein, c'est le héros le plus proche du prochain pion à prendre. Le bah C'est euh, lui, du coup. Parce que c'est lui qui est le plus... Ah, quoique, 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 une... Ah non, c'est Xeco, pardon. Ah, bah non, c'est pas Xeco. Une, deux. Là, lui, il a deux zones du pion. Et puis eux, là-bas, il y a une action pour déplacer la nacelle. Et après, une, deux. Donc, je dirais quand même que c'est lui le plus proche par rapport à eux là-bas. que Lui, il faut qu'il fasse une action supplémentaire. Euh, eux, faut il faut qu'il fasse une action supplémentaire. Donc, euh, ok, il a combien d'actions Il n'en a que deux. Bon. Première action, il fait un mouvement. Il sort d'une tuile avec un ennemi. Donc, forcément, il reste là. Ça, c'est sa première action. Et sa deuxième action, il refait un mouvement. Et il se déplace de quatre zones. Donc,. Euh, Hop, il vient là en fait. Il vient avec nous. Il vient avec nous dans l'ascenseur. Voilà. Voilà ce qu'il fait. Et il a plus. Il a plus d'action. Donc là, c'est à Genji de jouer maintenant. Bon, Genji première action, mais il réactive l'ascenseur pour le faire avancer. Au revoir les ninjas. Allez, on y va. On repasse ici. Ok. Ça, C'est sa première action, sa deuxième action à main. Je pourrais pas prendre le token, ça c'est pas de chance. Mais bon. Hum, hum. Et, ben... et ben, et ben, et ben, et ben, je vais pas attaquer le garde hein, puisqu'il est pas sur une tuile corrompue. Si je l'attaque, malheureusement, euh, je vais me faire sonner l'alerte. Donc voilà, il me gêne pas le garde, on s'en fout. Donc à la rigueur. Faudrait que je puisse aller enquêter. Mais les enquêtes, c'est que sur des tuiles interdites. Il faut faire le test, quoi. Euh, en plus, c'est. Ouais, euh, c'est eux. Hmm. Le problème. Si on va sur une tuile interdite et qu'on rate, sachant qu'il n'a pas beaucoup de mouvement, ça, c'est un peu problématique. Faudrait pas qu'on reste dans l'ascenseur parce que je sais que les ninjas, les ninjas ils vont réactiver l'ascenseur. <laughs> en fait les ninjas ils vont réactiver l'ascenseur pour revenir forcément. Donc du coup faut pas qu'on reste dedans parce que sinon euh... donc il va faire une action de mouvement pour sortir de l'ascenseur. Dans tous les cas il est obligé de s'arrêter puisqu'il y a un ennemi. Et il va se mettre là. Voilà. Et après il lui reste une action. Mmh. Il n'y a pas trop d'intérêt d'aller sur la tuile là-haut. Ce que je vous dis, c'est une tuile interdite là-haut. Ici, là. Donc si j'y vais et que je, je rate, bah, tous les gardes vont m'attaquer. Donc euh, il y a, sachant que je ne peux pas prendre l'objectif puisque j'ai plus d'action. Donc il n'y a pas trop d'intérêt d'y aller maintenant. Donc à la rigueur, avec sa dernière action, il va enlever son malus. Parce que je vous rappelle que c'est malus qu'il a. Euh, à cause du tsunami, et ben il peut dépenser une action pour les enlever. Donc il va dépenser une action pour enlever euh, son mouvement. Voilà. Voilà. Et il n'a plus d'action. Et là, tout le monde a joué. Il ne reste plus cloné. Il ne reste que les samouraïs à activer. Donc il active les samouraïs. Voilà. Donc les samouraïs, il n'en a pas 50. Il en a un ici sur une tuile corrompue. Et il en a un ici sur une tuile corrompue. Il n'y en a pas d'autres. Les autres ne sont pas sur une tuile corrompue. Donc je tire une carte. Je crois que c'est la première fois que je joue avec des samouraïs. je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils vont faire. Plus de mouvement, plus un d'attaque, plus un de défense. Placer le samouraï vers le héros distant de 4 zones ou moins qui n'a aucun autre adversaire adjacent. D'accord. Et après, euh, déplacer le pion haute ou parchemin le plus proche. Ah, il défend. D'accord, ok. Euh, attaquer un héros adjacent au samouraï. Ok. C'est la première carte. Alors on nous dit en 1. Déplacer le samouraï vers le héros distant de 4 zones ou moins qui n'a aucun autre adversaire adjacent. Donc là, c'est le cas. Donc, déplacer le samouraï vers le héros distant de 4 zones ou moins. Ben, ils sont à 4 zones ou moins, tous. Attends, on va faire 1, 2, 3. Ouais, ils sont tous à 4 zones ou moins. D'accord Ils sont à 2 ou 3 zones, tous. Donc là, ils sont tous euh, ex et ils sont, tous, ils sont tous à quatre zones ou moins, d'accord Et on nous dit après qu'il n'a aucun autre adversaire adjacent. Euh, lui, il a un autre adversaire adjacent, il a lui, même s'il peut pas le contrôler, c'est un adversaire, donc bah il va pas, il peut pas, ça peut pas être lui. Donc ça peut être soit lui, soit lui. Hein donc là c'est tous les deux. On nous parle pas de plus proche, donc là il y a une égalité entre les deux. Donc on résout l'égalité avec l'initiative. L'initiative c'est Tiku, donc c'est TQ qui veut aller. En même temps c'est ouais, c'est un peu logique. Donc c'est ce qu'on fait, on le déplace. Donc, il se déplace à plus 2 et il a 2, donc 4 zones par activation et il en a 2 activations. Donc, première activation, mouvement, 4 zones. Donc, il fait 1, 2, et il est obligé de s'arrêter parce qu'il y a un ennemi. Et il est obligé de s'arrêter. Mais je peux le mettre là, ce qui fait qu'il est adjacent à TQ. Ce qui fait qu'il peut l'attaquer après. Voilà. Déplacez-le vers. Euh, euh, je vais le déplacer. Et ensuite, attaquer le héros adjacent au samouraï. Donc là, il l'attaque, il est adjacent. Il m'attaque. Il attaque Tiku avec euh, plus 1. Donc il a 6 en force. C'est quand même assez fort. Et Tiku en défense, il a que 4. Je vais pas mis de défense. Donc c'est parti. On va voir si on arrive à, à faire 6 ou pas. Allez 2, 3, 4, 5 Quel dommage Quel dommage Il prend un dégât. Ah, dommage Ah là là, il va prendre une blessure. Quel dommage Bon, c'est pas grave. Euh, il reste le samouraï là à jouer, là. Puis là là. Donc, alors lui, par contre, il est trop loin. Puisque en 1, on nous dit euh, déplacer le samouraï vers le héros distant de 4 de nous moins... Bah lui il est carrément trop loin, il a à plus de 4 zones, hein, je vous le dis. Donc on passe en deux, sinon, déplacez-le vers le pion haute ou parchemin le plus proche. D'accord. Donc on le dépose, euh, on le déplace vers le pion haute ou parchemin le plus proche, sachant que euh, évidemment les hautes là ne comptent pas parce qu'on les a déjà interrogées. Donc le pion haute le plus proche, bah, ça sera celui-là. Donc il veut venir euh, par là, quoi, en gros. Donc euh, il veut venir pour prendre l'ascenseur, euh, voilà. Donc il va faire premier action déplacement, il sort avec une unité, donc il vient là. Deuxième action déplacement, il vient là. Il ne peut même pas appeler l'ascenseur, puisqu'il euh, n'a pas assez d'actions. Ok. Donc là, il a joué. Tout le monde a joué. Fin du tour, on défausse les cartes. Donc ça c'est défaussé. Ça c'est défaussé. De toute façon, lui, Genji va récupérer ses cartes puisqu'il n'en a plus. Donc toutes les, toutes les cartes défaussées, je les récupère. Voilà, ça c'est défaussé. Les cartes de nos bourreaux, c'est défaussé aussi. Et malheureusement, Tiku prend une blessure puisqu'il a 3. Pour 3. Donc il prend une blessure. Ok. Au oh, pif. Alors, blessure. Ah, en plus, euh, l'illustration est la bonne, puisque c'est lui. <laughs> Regardez, c'est Tiku qui se prend un coup de, de robot. Enfin, c'est pas un robot, c'est une marionnette. Votre héros ne peut pas faire d'action de déplacement ou votre héros ne peut pas attaquer. Ok, donc moins un en mouvement pour la blessure. Donc ça, je le mets à, à TQ. Ok. Et voilà pour le tour. Assez rapide. Alors les cartes sont évidemment sont défaussées des ennemis aussi. On, est, on va passer quand même au tour numéro 6. Ça commence à être chaud. On n'a toujours pas enquêté. Bon, là, on va pouvoir enquêter par contre ce tour-là. Mais il reste deux tours. Hein. Vous voyez que ça peut être très très dur. Heureusement qu'on a bien avancé au niveau de la quête. Il va falloir qu'on rush vite. Alors, on a le saut de lui. Donc, euh, à la rigueur, il va pouvoir aller directement aller chercher le, la quête. Ça, ça peut être pas mal. Quand je pense à tous les ninjas qui se sont fait avoir. <laughs> ils sont tous venus là, les ninjas. Ah là là, comme ils se sont fait avoir. Ah là là, mais carrément. Ok. Bon, on les a eu une fois, mais ne vous inquiétez pas qu'ils vont revenir. Euh, sachant que là, il y a tout intérêt à jouer évidemment au prochain tour nos en premier pour le barrer de l'ascenseur, pour pas que les ninjas le réappellent. Parce que sinon, <laughs> il va se faire avoir. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais stopper la vidéo ici pour ce deuxième épisode, et puis on se retrouvera pour le troisième épisode. Bah, je pense que ça sera la fin, hein, la fin de la fin de, de, de ce de ce scénario, puisqu'il reste trois tours, euh, donc ça peut aller très vite. Et il nous reste à découvrir, à finir donc les indices de. Il nous reste un indice à récupérer pour la petite carpe, et il nous reste évidemment à découvrir l'Oni. Pour l'instant, on n'a pas découvert l'Oni. On sait juste que c'est un sorio. Voilà. Et euh, après, elle a tué, bien entendu. Enfin, à essayer en tout cas. Ça peut être très serré hein, suivant l'accusation. Euh, là, pour l'instant, actuellement, c'est Loni qui gagne. Actuellement, puisqu'il a plus de points que nous. Donc, euh, ça peut être très serré suivant l'accusation. Si j'arrive à te faire l'accusation ou pas. Sachant qu'il reste 3 tours. Donc ça risque d'être serré quand même. Hein. Assez chaud. C'est pour ça qu'il faut absolument que je réussisse la quête secondaire pour gagner des points. Parce que ça va être très dur. On se retrouve donc bientôt pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde. Alors, on y va pour un nouveau tour de jeu. Alors. Ticu. Il va. Allez, enquêter. Ici, là, à côté que ça peut être pas mal qu'il enquête ici donc je vais lui mettre un plus 2 il a combien il a 3 alors plus 2 euh, celui-là voilà ok et à gauche, euh, à gauche à gauche à gauche à gauche Alors j'ai passage secret au cas où je me déplace, mais je pense pas. Je vais faire à gauche. Euh, attends, est-ce qu'il me donne de la défense l'autre Non. Ok. À gauche, à gauche. je bah, je vais peut-être rien faire. Parce que de toute façon, je vais faire une action de, une action pour enquêter. J'ai pas le choix. Euh, comment il s'appelle Genzi va aller chercher euh, le dernier token pour la quête. Et Noburo, bah, il va être là en soutien, au cas où. Mais s'il peut enquêter, c'est pas mal aussi Noburo. Alors, je ne sais pas s'il si peut enquêter Noburo, ça m'étonnerait quand même. Noburo... Ah si, ça peut être pas mal pour enquêter avec ça. Il peut enquêter, ouais, il peut enquêter la 4, c'est pas mal. Hein. Ça peut être pas mal avec ça et avec intuition. Ah mince, il a moins de boucliers par contre. Ça, c'est pas chaud. Ça, c'est un peu chiant. Alors, est-ce qu'on si on peut si on fait l'inverse? Et c'est Genji qui va enquêter à la place. Plus 3. Ah mais il a moins 2 aussi. Donc vous voyez que c'est un peu pareil en fait. Les deux, ils sont pris. Malheureusement. Mais là je ne vais pas avoir le choix que d'enquêter hein, pour avancer sur l'Oni, tant pis, on va se prendre des dégâts certainement, mais on n'a vraiment pas le choix. Parce que sinon, euh, l'ONI avance et on n'a pas possibilité de, de la démasquer. Ouais, donc là, une. Ouais, on va faire ça. Donc euh, TQ, ben, je vais faire ça plus... Plus le karma de lumière, je dirais. Relancer un de vos jets ou celui d'un allié sur votre tuile. Alors, ça ne va pas être utile pour les autres. Mais pour moi, ça peut être utile de relancer. Pourquoi pas Donc, à la rigueur, je vais faire ça. Voilà, pour Tiku. Pour Genji. Genji, Genji. Il va. Chercher le pion en quête, ça me paraît pas mal. Il lui faut du bouclier, mais bon. Il lui faut du bouclier pour aller chercher le pion en quête. Il a que du plus 2 en bouclier, potentiellement. Et il y a combien, euh, Noburo, en bouclier Alors, en bouclier, nos Noburo, au total, plus 1. Ouais, donc, euh, non, en fait, il est plus fort, euh, Genji, en bouclier, donc... Euh, je vais lui mettre un plus deux. Ah attends, retirer deux résultats, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça c'est pas mal aussi. Ah. Effectuer un test d'enquête sur un pion haute ou indice en ligne de vue. Ah ça c'est bien ça. Ça évite d'aller dans la salle. Mais là, il n'a pas la ligne de vue malheureusement. Attends, il n'y a pas la ligne de vue là, non, il n'y a pas, je crois pas. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas les lignes de vue, là, ça marche pas. Dommage. Il reste combien de quêtes Attends, il reste combien de cartes d'enquête 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, dedans, il y a les 3 zonies. à retirer, puisqu'on a la nature déjà. Ça fait 6, donc il faudrait que je trouve 3 et 3. 6 est terminé, quoi. On saurait qui c'est. Donc, euh, ouais, ouais. Ben, il va, faut qu'il enquête, il n'y a pas le choix. Et ça va être... Euh, bourreaux qui va aller chercher le pion là-haut. Donc on va lui mettre de la défense parce que vu qu'il va enquêter, il va peut-être se faire attaquer. Alors je vais lui mettre... Je vais pas lui mettre le plus 3 avec le moins 2, parce que c'est un peu risqué peut-être. Par contre, le plus 1 avec le plus 2 ici, ça, ça peut être bien. Voilà. Ça va faire un peu plus de, de défense. Et à gauche, à gauche, euh, retirez deux au résultat de vos tests d'interrogatoire. Ça va l'aider. Ça va carrément l'aider. De toute façon, c'est le seul truc. Euh, ouais. Donc hop, on va lui mettre ça à gauche. Voilà. Donc ça c'est bien pour lui. Pour nos bourreaux, on va lui utiliser le saut. Voilà, le saut, comme ça il va directement aller là-bas. Hop, déplacez-vous aux trois zones sans prendre en compte les personnages ennemis. Ok. Donc ça, ça va être à gauche, le saut. Et à droite, même chose, il faut que je lui mette du bouclier parce qu'il risque de se faire attaquer. Ce qui va aller sur une tuile interdite. Et en bouclier, oui, il n'y en a pas 50. J'en ai qu'une, c'est celle-là. En plus un. Donc je vais lui mettre celle-là. En plus un bouclier. Ouais. que le reste, c'est que du zéro. Donc je vais lui mettre celle-là. Voilà pour ma strat. Et au niveau de l'initiative, eh ben on va commencer. Par... Hmm. Alors TQ il a... il a pas trop de défense TQ par contre ouais. On va commencer par, euh... par TQ peut-être TQ Ouais on va commencer par TQ Attends non non on va pas commencer par TQ Parce que les ninjas ils vont venir et le problème, c'est qu'ils vont appeler l'ascenseur. Donc, on va plutôt commencer par nos Ensuite, TQ et Genji. Voilà, on va plutôt commencer comme ça. Parce que sinon, les ninjas vont appeler l'ascenseur et du coup, il va se faire piéger nos Alors, qu'est-ce que va faire l'IA Donc, on avance le compte tour, on passe à 6. Il va poser un pion corruption encore une fois. Ok, je vais prendre sa carte. On va la regarder ensemble. Le coup vicieux. Chaque créature démoniaque adjacente à un héros réalise immédiatement une attaque. Ok. Les créatures démoniaques, il n'y a que les ninjas. Et on a de la chance, puisque tous les ninjas se sont regroupés au même endroit. 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, il n'y en a que 5. Euh, donc, euh, là, il ne se passe rien. Là, on est sur un tour paire, donc on place un pion corruption sur la tuile non corrompue avec le plus de gardes et au moins un héros. Euh, alors, on a un pion corruption ici, ici, avec le plus de gardes et au moins un héros. D'accord Eh ben, ça sera ici, là où il y a le garde ici et là où il y a Genji ici. Donc, ça sera ici le pion corruption. Voilà, donc ici. Ok. Et on n'oublie pas qu'il augmente sa capacité pour les créatures démoniaques. Alors, hop. Alors là, il y a trois chemins différents. Et la carte nous dit au milieu. La flèche à droite, c'est au milieu. Donc ici. Donc ça veut dire quoi Pour deux qui, il y a cette, cette, euh, ce symbole-là. Alors ce symbole, c'est assommer. Assommer, un personnage avec un pion assommé applique le malus inscrit sur le pion à sa caractéristique de vitesse. Donc, en fait, ils nous assomment. Et en plus, c'est marqué combien Moins 3, non C'est marqué moins 2 sur le, le petit truc. Vous ne voyez pas, vous, mais c'est marqué moins 2. Donc, maintenant, les ninjas, à chaque fois qu'ils vont faire une attaque et qu'ils vont faire deux qui vont assommer. Et on aura moins 2 en vitesse. OK. Et puis, les autres... Alors, les gardes retirent un dé aux attaques qui les ciblent. OK. Et ils ont plus un de défense, donc ça, on le savait déjà. Donc ça c'est leur capacité supplémentaire. Ok. Bon ben bah voilà, pour le pour l'IA, on passe à la phase d'activation. Alors, je vais remettre les pions. Euh, phase d'activation. On commence par nos bourreaux. Voilà. C'est ce qu'on avait dit. Hein. Donc première action. On va faire le saut. Donc le saut, on me dit, déplacez-vous de trois zones sans prendre en compte les personnages ennemis. Ok. Donc je me déplace de trois zones sans prendre en compte. Donc une, deux, et puis je peux être adjacent, parce que là, c'est la même zone en fait. Tout autour c'est la même zone là. Il ouais, n'y a qu'une seule zone ici. Là, ah non, pardon, il y a des murs ici. Pardon, je me suis trompé. Donc, en fait, il faut rentrer par là pour ressortir. Voilà, là, il y a un mur ici. Donc, là, c'est pas adjacent. Donc, une, deux, donc ça, c'est cette zone là. D'accord, deux, trois, il arrive là, adjacent à elle, par exemple. Et là, elle est sur une tuile interdite. On nous dit qu'à chaque fois qu'on est sur une tuile interdite, on doit faire un test de discrétion. À chaque fois qu'on finit un mouvement pardon sur une tuile interdite, on doit faire un test de discrétion. Donc le test de discrétion comment ça marche Bah ici il y a une valeur. Là, c'est 3, d'accord Et donc on doit tester ça à notre caractéristique de vitesse. Malheureusement, il a il a que 1 en vitesse, ça c'est pas cool. Donc on va voir, on lance 3D et il faut faire 1 ou moins, ce qui va être très dur. On va voir. C'est parti. Ben évidemment, c'est raté, hein, puisqu'on a fait 3. Ah mince. Pourquoi c'est pas euh, focus hein. ben C'est bon. On a fait 3, donc du coup, c'est raté. Forcément, le test est raté. Donc, quand on rate le test sur une, une tuile de discrétion, on nous dit si le test est raté, tous les gardes présents sur la tuile, donc tous les gardes présents, donc là, il y a un garde, là, il y a un garde, sont déplacés sur des espaces libres. Et du coup, après, les, les gardes lance une attaque contre contre moi. Donc ici ici et il m'attaque. Ils sont tous les deux adjacents et ils vont tous les deux me faire une attaque. Alors ils attaquent à combien ils attaquent à 5 et moi j'ai 4 en défense, moins 1, j'ai 3. Donc j'ai deux des noirs, un des rouges. OK, le premier m'attaque. Et il fait 5. 2, 3, c'est raté, je prends un dégât. Ok. Je recommence avec le deuxième. 2, Deux, je prends un dégât aussi. Et oui. Et là, ça a été tendu. Hein. C'est pour ça que vous avez vu les tout ce qui est interdit, c'est compliqué quoi. Les tuiles interdites, c'est compliqué. Ce que je vais faire, que je vais refaire une action de mouvement pareil en. Avec un saut. Donc, une. Et cette fois-ci, deux. Je peux sortir. Ça, je suis adjacent au truc. Donc, j'arrête mon mouvement. Comme j'arrête mon mouvement, je dois encore faire un test de. <laughs> je dois encore faire un test de discrétion. Donc, toujours pareil, 3D. J'ai toujours que 1. 1, 2, 3, 4, c'est raté. Donc, encore une fois, les gardes, ben, ils me suivent, hein, forcément. Il y en a un qui vient là. Ah, bah ben non, il y a un mur. Il y a un mur ou pas Ah non, il y en a un qui est là, il a le droit. Et il y en a un qui vient ici. Ils sont tous les deux adjacents à moi et tous les deux m'attaquent. Ils me suivent en fait, puisque je suis dans une salle interdite. Donc forcément, ils me suivent. quoi. A chaque fois que vous faites un mouvement, ils vous suivent. Donc en défense, j'ai un rouge, deux noirs. C'est parti. Et on a dit qu'ils avaient 5. Ah oui, attends, ils enlèvent un dé en plus. Ah oui, ils enlèvent un dé ah non, c'est que, que les gardes retirent un dé aux attaques qui les ciblent. Non, non, là c'est la défense, donc rien à voir. Ils n'enlèvent pas de dé. Hein. Hop. Eh ben, c'est raté, je prends un dégât. Et deuxième attaque. Trois, c'est raté, je prends un dégât. Donc là, je prends encore deux dégâts. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il a six dégâts, hein, le pauvre. Mais bon. Et puis, dernière action, puisqu'il lui reste une action, ben je vais récupérer. Le dernier message de petite carpe, voilà, donc je le récupère. Et ça c'est cool puisque du coup ça veut dire que maintenant on a gagné l'objectif du scénario. Donc on gagne cette carte là puisqu'on a récupéré tous les pions indices de petite carpe. Hop, ça ça nous fait des points pour nous. Ça c'est bien. J'ai pas fait de mouvement, donc là il n'y a pas de test de discrétion, les gardes ne m'attaquent pas. Donc vous avez compris, à chaque fois que vous êtes sur une, une tuile de discrétion comme ça, ben, ils vous suivent et ils vous fracassent. C'est un peu ça le, le délire. Donc là il a fini de jouer. On passe à l'ONI. Donc l'ONI, je tire un pion, attention, c'est quoi Ninja. Comme d'hab, je tire une carte. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la carte Alors ça c'était la carte tout à l'heure. Alors ninja, déplacez le ninja vers le pion haute ou parchemin le plus proche situé dans une zone où se trouve au moins un héros. D'accord Donc déplacez le ninja vers le pion haute ou parchemin le plus proche. Donc euh, le pion haute. Alors le plus proche de quoi Le plus proche situé dans une zone où se trouve au moins un héros ok donc euh, bah il y a lui hein, qui se trouve dans une zone avec un héros le pion haute et puis c'est tout puisque elle ne se trouve pas dans la même zone que nos bourreaux donc en fait il n'y a que lui donc ils vont, ils vont venir ici les ninjas c'est leur but ok donc ils ont plus 2 en mouvement plus 1 en attaque plus 1 en dégâts donc, c'est ce qu'ils veulent faire hein, déjà. Déplacer le ninja vers le plus haute ou parchemin le plus proche. Ok. Euh, ils ont combien en mouvement Donc, ils ont combien en, en, Ils ont deux en. Ils ont deux en, en action. D'accord Et les mouvements, ils ont, ils ont cinq. Donc, euh, première action. Tout ils vont aller. Ben. Ah mais non, attendez, j'ai pas fini de jouer, pardon, excusez-moi. Après, j'ai oublié nos chim. après nos bourreaux, il y a nos chim qui doivent jouer, il est là. Ben, je vais faire deux actions, euh, vous savez, deux actions. Ici, choisissez une zone sur votre tuile, les personnages qui s'y trouvent subissent un dégât. Donc je choisis cette zone-là, elle est sur ma tuile, ok. Celle-là, là. là. Donc j'ai oublié de le faire. Donc ça c'était avant évidemment. Donc je lance un dé rouge et on va voir si on réussit ou pas. Parce que du coup on va arriver, il va arriver quand même à en tuer pas mal hein, s'il fait ça. Oh oui il a réussi. Donc là un dégât à tous ceux qui sont sur la zone euh, sur la même tuile. Donc les trois là, hop là, cappuccino. Les trois ils meurent. Ah oui forcément, puisque j'ai choisi cette zone là. Donc là cette zone là elle n'est pas dans ma tuile mais celle là oui. Hein. Donc euh, pas de souci. Donc là les trois meurent. Par contre, les deux autres, non, forcément. Donc, ça, c'était sa première action. Et du coup, il peut en faire une deuxième. Euh, la deuxième, il va. Il n'y a plus personne sur cette file. Donc, la deuxième, il va faire un mouvement. Et il se déplace de deux zones. Il va faire une zone. Et. deux zones. Mais il va rester là. Voilà. Ok, donc là, c'est bien au ninja de jouer. Donc, première action, à celui-là, par exemple, il se déplace d'une zone. Ici, dans cette zone-là. Normalement, il doit aller dans cette zone-là, mais là, il est bloqué avec nos C'est pour ça que je l'ai mis là, en fait. Il ne peut pas avancer, puisque Nochim le bloque. Parce que je vous rappelle qu'un ennemi ne peut pas. ne peut pas traverser une zone si dans cette zone-là, il y a un ennemi. Ce qui est le cas. Ah mais non, mais attends, lui, il s'en fout. Parce que lui, il ignore. Ah oui, oui, lui, il s'en fout, il ignore. Donc lui il s'en branle. Donc il fait une, deux, trois, il passe à travers quand même. Ah mais non, mais il ne peut pas. Non, non, il ne peut pas, je suis bête. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas la passerelle, il ne peut pas y aller. Faut il faut qu'il l'appelle la passerelle. Pour l'appeler, il faut que lui l'appelle. Il y a que lui qui est sur le pion orange. Donc là, malheureusement, ils vont tous venir à la queue le en mode attente d'ascenseur, quoi. Ou alors ils font que ça. Pas le choix. Puisque il y a le, le ninja, il y a le, le samouraï qui tient la position du, de l'ascenseur. Donc là, euh, il, il les bloque, en fait. Voilà, sans le vouloir, il les bloque. Ok. Donc là, ils ont joué. On passe à TQ. Alors TQ, première action, il va faire une action d'enquête. Alors là, c'est plus 1, donc c'est 5D hein, d'enquête, puisqu'il y a plus 1 sur lui. Donc c'est énorme. 3, 4, 5. Okay. Donc 5D d'enquête et euh, TQ, il a 3 et 2. Donc il a 5. Il a le droit de relancer une fois. Voilà. Ok. Allez, faut faire 5 ou moins. On va voir ça si on réussit. Donc ça, c'est sa première action. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et bah c'est bon, ça passe. Il a réussi. Bien joué, TQ. Euh, bravo à toi. Donc il a réussi. Donc comme il a réussi, on pioche 3 cartes. Et on retourne le pion. Super. Donc je pioche 3 cartes. Indice. 10. Une, deux, trois. Sachant que je vous rappelle que s'il y a l'indice de la nature, euh, comme on a déjà trouvé la nature, eh ben, moi je défausse les cartes et je repioche une nouvelle. Alors, ça, c'est une règle maison, ce n'est pas une règle officielle, mais moi je l'applique. Euh, du moment qu'on a trouvé la nature de l'ONI, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à laisser les cartes de la nature euh, dedans. On a pris des risques en faisant la nature de l'ONI, puisqu'on avait une chance sur quatre. On a réussi, forcément, notre récompense, c'est qu'on enlève les cartes. Normalement, il faudrait les laisser, mais moi, je les laisse pas, parce que du coup, elles servent à rien, c'est des cartes mortes. Voilà, moi, je trouve que c'est plus équilibré comme ça. Alors, cette ci-dessus, donc, effectuez deux actions avec un garde du palais présent sur votre tuile ou celle d'un allié. C'est pas mal. Donc, euh, elle est où Ah, bah, elle est là-bas, justement. C'est elle, donc, elle est pas, ne sera pas l'ONI. Ok, super. Donc, ça, on le sait. Alors, l'ONI Cage, on s'en fout pour l'instant, on n'a plus besoin. Voilà. Ensuite, le moine du palais. On sait que ce n'est pas non plus l'Oni. Retirez au résultats des tests de déchiffrage durant l'activation de votre héros. Ça, c'est pas mal. Et la dernière carte, apparition. Le joueur Oni place un Yurai sur un espace libre adjacent à un héros. Le Yurai effectue immédiatement une attaque gratuite. Ah, ben là, du coup, moi, normalement, il n'y a pas de y a pas Urai dans la... Il n'y a pas Urai normalement dans ce scénario-là, mais c'est pas grave, Là, on nous dit qu'on doit en mettre un. Le joueur, on y place un Urai sur un espace libre adjacent à un héros. Donc euh, ok. Le Urai effectue immédiatement une attaque gratuite. C'est une apparition en fait, donc en fait il disparaît après. Hein. Enfin je pense. Peut-être pas, remarque. Non, non, peut-être qu'il va rester. Mais euh, comme il n'y a pas du Rail dans le... Ah attends, attendez, il y a peut-être euh, un truc euh, sur la... la carte solo. On va regarder. Apparition. Choisissez le héros avec le plus de pions dégâts. Ok, c'est ce qui est écrit. Comme normalement, il n'y a pas dans... au niveau du scénario. Je me dis, je ne sais pas si je dois. Euh... Bah si, je pense qu'elle va, elle va s'activer. Il y a une apparition du Rail et puis après elle va s'activer. Ok, donc, je vais aller chercher ce qu'il faut, parce que je n'avais pas prévu, forcément. Donc, j'étais chercher les Yurai, euh, je l'ai mis au fond là-bas, donc j'ai récupéré aussi le pion et les cartes, hein, bien sûr, parce que normalement il n'y en a pas, mais bon, là je les ai récupérés, et à la fin du tour, je pense que je les remettrai dans le sac. On ne les remet pas avant de toute façon. Donc, apparition, le joueur Oni place un Yurai sur un espace libre adjacent au héros, et on nous a dit au niveau des règles, c'est le héros avec le plus de pions dégâts. Et le héros avec le plus de pions dégâts, malheureusement, c'est nos bourreaux. Donc, adjacent à nos bourreaux. Il n'y a qu'un emplacement, c'est ici. Hop là. Voilà, juste à côté en fait de lui. Et du coup après elle fait une attaque. C'est ça, hein. elle Effectue immédiatement une attaque gratuite. Et donc son attaque, elle attaque à droite, à 3, pardon. Sauf que, euh, oui, 3. Ok, ils n'ont pas eu de kill les ninjas, donc tout va bien. Donc elle attaque à 3. Donc euh, bouclier, on a 2 plus 1. Ok, donc 2. Plus 1, c'est parti. Il faut faire 3, on va voir si on réussit à défendre. Euh, alors, 2 et 1 3, celui-là il est un peu cassé, il est sur le, la, la, la fente. Mais de toute façon là il y a déjà le résultat. Donc c'est bon. Donc elle ne me fait pas de dégâts, heureusement. Donc là on était sur le tour de Tiku, qui avait pris les 3 cartes. Alors là, du coup, si on regarde, si on fait le point un petit peu sur les hautes, 1, 2, 3, 4, on est à 4 sur 6. Donc là, on a une chance sur deux de se tromper. Donc, ça vaut peut-être le coup de, de tester. Hein. On sait que c'est pas le moine. Le moine qui est là-bas. On sait que c'est pas le 6 situ qui est là-haut. On sait que c'est pas la courtisane qui est ici. On sait que c'est pas la servante qui est là. Donc, il reste lui, le gamin, et euh, lui-là qui est là. Lui-là. Voilà, il reste un des deux. Donc je sais pas qui ça va être. Peut-être le gamin, je le sens pas très bien. Je dis ça au pif. Hein. Ok. On était toujours sur TQ. Alors TQ et il lui reste deux actions potentielles. Hmm. Une, deux, ouais, bof. Une. Euh, là, je pense que ça va être euh, lui. se déplace de deux, une et deux. Ouais. Je pense que c'est lui qui va enquêter. Euh, donc là, Tiku va pas enquêter. Donc potentiellement, on pourrait. Euh, alors, faut pas que je tape évidemment le samouraï qui est à côté de nous, parce que sinon il va avoir l'alerte. Donc euh, une pourrait aller chercher le coffre qui est là mais bon 4 de vitesse ça risque d'être peut-être chaud il se déplace de combien de zones ticus se déplace de 3 zones ah oui. Il reste alors là, il pourrait aller limite chercher un indice ici si on n'arrive pas à trouver. Donc à la rigueur, il va faire un mouvement, il se déplace de trois zones, mais il va aller sur cette. Ah bah ben, il peut pas là, il peut pas aller sur cette zone là, parce que là il n'y a pas de porte. il faut aller là pour faire tout le tour. Ah non, il peut aller là, il peut aller là pour passer là après. Ok. Et eh ben, il va aller. Là il y a une porte ici. Là. On la voit pas bien, mais elle est grise. Donc il va aller ici. Voilà. Il est obligé de s'arrêter parce qu'un ennemi. Dernière action en mouvement. Il va aller ici. Il est obligé de s'arrêter parce qu'un ennemi. Voilà ce qu'il va faire. Pour ses trois actions et il a terminé son tour. Ah mais attends, il a un parchemin. Je suis bête. Euh, oui, attendez. Il va plutôt utiliser son parchemin de téléportation pour une action. Donc il va le faire pour une action. Défaussez cette carte et placez-vous sur un espace libre de votre tuile ou d'une tuile adjacente. Intéressant ça. Enfin là, c'est pas très intéressant, remarque. Parce que notre tuile, ah bah si, remarque, notre tuile, c'est celle-là. D'accord. Et il pourrait enquêter avec la... Bah oui, tant qu'à faire. Ouais, il pourrait se téléporter sur une file adjacente. Euh, alors, il pourrait faire un mouvement, après il utilise sa téléportation, ce qui fait qu'il peut aller où il veut, quoi. Ça, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Ouais, 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 j'avoue que c'est pas mal. Euh, non, je vais pas la faire tout de suite, la téléportation. Donc, je vais par contre faire un mouvement. Je vais aller. Ici. Je suis obligé de m'arrêter puisqu'il y a un ennemi. Et puis, ma dernière action, bah, je vais rien faire. Ma dernière action, je vais rien faire. Je vais rester là pour l'instant. Après, je pourrais, me... ah, remarque. je pourrais me déplacer là. Il se déplace de 3 quand même. Hein. Ça fait 1, 2, 3. Il pourrait y aller hein, au parchemin. Il pourrait aller au parchemin euh, potentiel. Après, bon, peut-être qu'il peut se faire attaquer. Mais euh, ouais, il n'a pas beaucoup de défense. Non, il va rester là. Voilà. Je stoppe là. Et on joue le nid. Et l'ONI, le c'est les gardes euh, Hachi Garu. Alors, c'est que sur les tuiles corrompues. Donc là, il y a une tuile corrompue, mais il n'y a pas de garde à Chilleru, puisque lui, je vous rappelle qu'il est. Euh... C'est pas, même... pas la même zone. Ah, est-ce que, est... est que. Ah, bah, ça fait partie de cette tuile-là Si, je dirais que si. Hein. Je dirais que si. Je dirais que ça fait partie. Euh... L'ascenseur. Est-ce que l'ascenseur fait partie de cette tuile-là Bah, en fait, non. Je dirais que non. Puisque l'ascenseur, c'est une tuile vraiment spécifique. Alors, on va regarder si sur le livre de règles, c'est écrit. Non, je dirais que ça fait partie. Ouais, ouais. Bah, je dirais que ça ne fait pas partie, pardon. Donc là, il euh, n'y en a pas. Là, il n'y en a pas à droite, là-bas, où c'est corrompu. Il n'y en a pas ici. Et normalement, il voilà, y a un pion là, il n'y en a pas non plus. Donc là, il ne peut pas les activer, la Chimgaru. Donc on. Tirer un autre pion. Et il ne reste plus que les samouraïs. Et donc, les samouraïs, il y en a un là qui est corrompu. Et c'est tout. Donc, en fait, il va activer que celui-là. Donc, je tire une carte de samouraïs. Pour savoir ce qui se passe. Plus d'un mouvement, plus d'héros en attaque, plus ça en action. Déplacer le samouraï vers le héros distant de 4 zones ou moins qui n'a aucun autre adversaire adjacent. Et ben, c'est simple. Il y a lui et lui, les deux en fait. Hein. Les deux n'ont pas d'adversaire adjacent, donc c'est un des deux. Donc là, comme il y a une égalité entre deux héros, on prend l'initiative. Et l'initiative, c'est TQ. Donc il veut cibler TQ, forcément. Donc je le déplace. Sa première action va faire un mouvement. Je le déplace adjacent. Il va aller là, derrière la porte, parce que derrière la porte, il peut le taper. Et ensuite, il attaque le héros, bien sûr. Il a combien d'actions Il a 3 actions, ok. Donc, il va attaquer deux fois le TQ en fait. Donc, il attaque deux fois TQ. Et il attaque à 5. Il attaque à 5. Et moi, en défense, j'ai que 4. 4 des noirs. Donc, ça risque d'être tendu, on va voir. Donc, il attaque deux fois. Donc, c'est parti, première fois. 2, 3, 4, ça passe. Il y a de, il y a de la défense, c'est bon. Je relance pour la deuxième attaque. 2, Deux, 3 avec le qui. Je relance le qui. Raté. Mince. Un dégât. Un dégât. Je prends un dégât à TQ. Ok. Sachant qu'il a déjà une blessure. Hein. En tout cas, il a joué le... le samouraï. Et fin. Et on passe à Genji. Alors, trois actions. Il va faire une action. Une action de mouvement. Ah, il va nous embêter le samouraï. Comme par hasard, il s'est mis là. Comme par hasard, il nous embête. C'est dingue, hein Donc, une action de mouvement. Il va se déplacer dans cette zone-là. Et malheureusement, il y a un garde, donc il est obligé de s'arrêter. Il s'arrête. Une action de mouvement. Il va aller dans cette zone-là. Ah, mais attends. Il... Ah, non, attends, attends, attends. Hey, hey. Attends, 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 il est obligé de s'arrêter. Donc comme il est obligé de s'arrêter action de mouvement, il doit faire un test d'évasion, de, de, bien entendu, voir si ça passe. Alors il a combien Il a 2 en. Il a 2 en vitesse et c'est 3. Hein. Donc il faut faire moins de 2 avec 3D. On va voir si ça réussit, sinon il se fait attaquer. Et ouais, c'est le problème des tuiles euh, des tuiles comme ça, interdites. 3, c'est raté. Donc là, tous les gardes de la tuile, tous hein, viennent adjacents à lui. Enfin, au maximum, en tout cas, et viennent le péter. Donc, il y a lui, il vient adjacent. Il y a lui, il vient adjacent. Et là, il y en a, il y a plus d'autre place. parce que là, c'est pas adjacent. Il y a un mur. Et là, c'est pas adjacent. Il y a un mur. Donc, euh, je crois que c'est au maximum qu'on fait. temps. Ok, non, c'est tous au plus près comme on peut. Donc lui, et eh ben là, par exemple, au plus près, voilà, il l'encercle parce qu'il est sur une tuile interdite, bien entendu. Ça, ce n'est pas un garde, hein, le Yurai, donc ça ne marche pas. Et après, tous ceux qui sont adjacents lui font une attaque, donc une attaque, une attaque. Et on voit qu'ils ont 5 d'attaque. Et que lui en défense. Alors par contre, lui, je lui ai mis pas mal de défense. Il a 3 moins 1, donc 2 plus 2. Donc il a 2 et 2. Il a 2 noirs, 2 rouges. Et ils font 5. Hein, donc il se prend 2 attaques sur les deux gardes. Et ouais, c'est ça les, les trucs interdits. C'est normal, hein, puisque vous êtes interdit de rentrer, donc il vous... 2 avec un ki, je relance le ki. Un ki, ça fait une touche, je relance. Et 2. Donc c'est réussi pour la première attaque et la défense passe. Deuxième attaque. Alors, 3 avec un ki, bien sûr. Hop, je relance le ki. Alors là, ça risque d'être plus dur. Ils font 5. Ah, raté. Il se prend un dégât. Ok. Ils ont 5. Ouais. Il se prend un dégât. Bon, ok. Ça, c'était sa première action. Deuxième action, il refait une action de mouvement. Donc, il refait une action de mouvement pour aller. Donc, il sort de la zone. Il est obligé de s'arrêter. Il va aller ici être adjacent à elle pour l'interroger. Hein. C'était le principe. Par contre, il doit refaire un test de discrétion. Bah oui, il n'est pas discret du tout. Donc, on relance 3D et il faut faire toujours 2 ou moins à cause de sa stat. Euh, mince j'ai un le truc. Donc deux au moins, on va voir si on y arrive, ça va être difficile. Ah 3 c'est raté, donc encore une fois, tous les gardes viennent et ils viennent nous attaquer. Donc là euh, c'est chaud. Hein. Donc tous les gardes viennent. Donc par exemple, bah, lui il vient ici. Lui il vient ici qui est adjacent. Et puis lui il suit, il vient là. La zone est pleine. Et il y en a, il y a deux attaques hein, du coup. Il y en a deux qui sont adjacents, donc même chose. Donc deux et deux en défense. Et ils ont 5 en attaque. Toujours pareil. Allez, 5. 1, 2, 3 avec le ki. Ça, c'est pas mal. Je relance le ki. 1, 2, 3, 4. Raté. Une, un, une touche. Alors, on se prend beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais en même, en même temps, on enquête assez rapidement. Parce qu'on a perdu pas mal de temps en début de truc. Donc, c'est normal. Deuxième attaque. 2, 3, 4, 5. Cette fois-ci, l'attaque est bonne. Enfin, la défense, pardon, est bonne. Donc, il ne se prend rien. Ok. Ouh, il lui reste une action. Et il va enquêter. Alors, en enquête, il a 2 plus 1D. Enfin, 2 plus 1D. Il a, pardon, 2 plus 1, ça fait 3, d'accord Et l'enquête est de 4 sur le pion. Hein, ici. L'enquête est de 4. Donc, je lance 4D. Alors, 4D. Et il faut faire 3 ou moins. Ça va être, euh, On va voir, ça risque d'être tant d'axes. Yes, 3 ou moins, c'est réussi. Après, n'oubliez euh, pas qu'il a haute lignée. Et avec haute lignée, je pouvais retirer 2 au résultat de vos tests d'interrogatoire. Et comme c'est un test d'interrogatoire, je pouvais retirer 2. Donc, en, dans tous les cas, c'était réussi. Donc là, c'est réussi. Donc, comme c'est réussi, on pioche, on l'interroge. Malgré le fait qu'il y ait 50 millions de gardes autour de nous, on arrive à l'interroger on pioche 3 cartes. Une, deux, trois. Alors, ça, c'est une carte nature de l'ONI. Donc, qui ne me sert strictement à rien. C'est une carte morte. OK. Qu'on a déjà découvert, la nature de l'ONI. Le fils du Démio. D'accord, on sait que ce n'est pas le fils du Démio. Et on nous dit, les alliés qui s'activent sur un espace adjacent au fils du Démio réussissent automatiquement leur test de discrétion sur les tuiles interdites. Oui, mais ben c'est un peu tard, du coup. OK. Et la dernière carte, c'est l'ONI Pénagola. Bah, même chose. On sait que ce n'est pas Loni Penagola. Donc c'est une carte morte aussi. Donc là, en fin de compte, si on fait le point, 1, 2, 3, 4, 5, il ne nous reste plus qu'un pion haute. Donc on sait, en fait, on sait où est l'Oni, là. En vrai. Donc même si je jouais avec les règles. Les, enfin, même si je jouais pas avec les règles maison, les règles standard. Même si par exemple je décide de ne pas repiocher de cartes. Comme dans les règles standard du jeu, parce que ces deux cartes-là, c'est deux, cartes ces deux cartes mortes. Moi, je vous ai dit que je repiochais des cartes. Ça, c'est les règles maison. Voilà. Mais même si vous utilisez les règles standard, c'est-à-dire que ces cartes-là sont des cartes mortes, OK Et ben, là, on peut savoir qui est Lonnie, puisqu'il y a six pions une, deux, trois, quatre, cinq, six, et on en a cinq une, deux, trois, quatre, cinq. Donc là, on sait où est Lonnie, forcément. On a la nature et on sait où est Lonnie. Donc euh, voilà. Donc euh, du coup, donc même si on respecte les règles du jeu, vous voyez que ça ne change pas en termes d'équilibrage en fin de compte. Enfin, pour ce scénario-là, en tout cas. Euh, donc voilà. Ce qui veut dire que les deux dernières cartes sont des événements. Euh, donc en fait, euh, en fait, c'est peut-être mieux, euh, peut mieux, mieux de les laisser. En vrai, il vaut peut-être mieux c'est mieux de les laisser en vrai, parce que les événements souvent c'est négatif. Donc en vrai, il vaut peut-être mieux les laisser. Ok. Bon, voilà, on va les laisser. C'était un test, c'est pas grave. Pas de souci, il n'y a pas de triche puisqu'on a respecté les règles de laisser justement les cartes mortes. C'est peut-être justement pour l'équilibrage de les laisser mortes, pas de les laisser mortes, de laisser les cartes mortes puisque sinon on pioche des événements et les événements c'est négatif donc c'est possible. Ok donc là j'ai fini ces trois actions, on passe à la fin, fa... euh, il reste l'oni pardon à activer. Sauf que Lonnie n'a plus de pions à activer donc il fait un renfort et donc le renfort c'est un ninja et un garde, sachant que les gardes il reste plus, euh, non c'est pas un garde, c'est un un Ashigaru, sauf qu'il n'y a plus d'Ashigaru. Tu voir. Renfort. Samu ah non, c'est Samurai Ninja, pardon. Samurai Ninja, il en reste un samurai, donc tout va bien. Donc Samurai Ninja, d'accord. Au plus près hein, des, des héros, comme d'habitude. Donc le Ninja, au plus près du héros, ça va être là, parce qu'il y a 15 spawns, c'est ici, il n'y en a pas d'autres. Et puis le Samurai, au plus près, par contre. Alors, il y a un spawn ici, voilà, donc il va être là, le samouraï. Ok. C'est au plus près. Hein. C'est au plus près, effectivement. Très bien. Donc, il a joué. Et maintenant, on passe à la fin de tour. Alors, la fin de tour, déjà, on va mettre tous les dégâts. Euh, oko, donc 4, 1, 2, 3, 4, une carte blessure. Donc, on prend une carte blessure au pif. Ça sera celle-là. Blessure, votre héros euh, retire 2 succès au résultat de ses jets d'attaque et moins 1 ou moins 1 en attaque. Ok. Euh, donc là, c'est pour nos bourreaux. Ça, c'est bon. Lui, il a 2 contre 3, donc c'est bon. Et lui, il a 1 contre 3, donc c'est bon pour l'instant. En termes de dégâts. Et ensuite, accusation, bah je fais une accusation puisque je sais où est Lonnie, je sais qui est Lonnie. Et là, je n'ai plus envie qu'il progresse, Lonnie. Donc euh, je fais une accusation, bien entendu. Et je vais accuser... Alors, j'accuse qui euh, Alors, ce n'est pas le fils de Daimo, donc ce n'est pas lui. Ce n'est pas la servante, ce n'est pas elle. Ce n'est pas la courtisane, ce n'est pas elle. Ce n'est pas euh, cette, chichu, euh, cette chichule. cette ce n'est pas elle. Ce n'est pas le moine. Donc, je sais que c'est lui. Voilà. Donc j'accuse lui. Voilà, lui pour moi c'est l'hôte de l'ONI. Il était depuis le début avec nous, à côté de nous. Donc je regarde la carte, voir si c'est bien lui. Alors je ne sais, sais pas comment il s'appelle, hein, mais euh, euh, je l'accuse lui, d'accord Et attention, eh ben, c'est lui forcément, c'est le magistrat. Donc l'hôte est bien dans le magistrat. Donc là, comme on a accusé le magistrat et qu'on a réussi notre accusation, l'ONI est dévoilé. Donc comme Loni est dévoilé, on passe. Ça va passer donc au combat final. Bien entendu. Je vais aller chercher Loni. Donc c'est un Oni Sorio. Et je vais aller chercher ses cartes, son pion, tout ça. Quoi. Donc l'Oni Sorio qui est. Alors son pion il est là. l'Oni Sorio qui est derrière tout ça. Euh, donc de toute façon, on est en fin de tour. Donc je remets le pion, je remets tous les gardes, les ninjas, bien entendu. Et je remets aussi le Yurai. Hein, parce qu'il y a un Yurai sur le plateau. Il peut potentiellement l'activer. Donc je le mets dedans également. Ok. Je récupère les cartes du boss. Alors c'est pas sûr qu'on arrive à le tuer, hein. bon, on va voir. Si on ne le tue pas après, je pense c'est pas grave, parce que je pense que même s'il s'enfuit, je pense qu'on va arriver à le, le gagner. Alors voilà sa carte. Hein. Je vais vous la mets de plus près. Loni démon majeur. Description corrompue par des sombres forces, cet ancien moine, grand maître des arts martiaux, est devenu un des plus puissants Oni du Jingoku, de, de l'enfer. Il a le Bojutsu, donc les attaques de l'Oni Sorio peuvent toucher 1 à 3 personnages adjacents, donc il y a intérêt à ne pas rester adjacents, ensemble quoi. Et les attaques de l'Oni Sorio infligent un dégât supplémentaire. Ah ouais, c'est quand même assez balèze, vous voyez qu'il a 2 en. 2, 5, 7, 3, il a 6 PV. Donc 2, 5, 7, 3, et il a 6 PV. Quand même assez balèze, hein. assez badass le mec. Clairement. Bon, je n'ai plus beaucoup de place. Par contre, attention, comme on l'a découvert la nature de l'ONI, il a moins 1 en force. C'est le bonus du fait qu'on ait trouvé sa nature. Donc il n'a pas 5, mais il a 4. Ça change beaucoup de choses. Hein. Ça change pas mal de choses du coup. Donc voilà, il a 4 en force grâce au fait qu'on ait trouvé sa nature. Je n'ai absolument plus de place, je vous le dis. Donc je vais le mettre, euh, je ne sais pas où. Il y a tellement de matériel avec les caméras et tout que c'est compliqué. Je vais enlever le sac à la rigueur, je vais le mettre en haut. Voilà, je vais le mettre en haut là en fait. Ici. Ça c'est les cartes défaussées des joueurs. Ça, c'est les cartes qui ne nous servent plus à rien. C'est les enquêtes. Donc ça, ça ne nous sert plus à rien. Le bot, je le mets ici, avec euh, le moins 1 dessus. Ces cartes qu'on mélange, que je vais mettre à gauche. Du fait qu'il y ait beaucoup de caméras, bah, j'ai plus beaucoup de place sur ma table. Et comme c'est un jeu quand même qu'il a beaucoup de... Vous voyez, il y a les ennemis à gauche. Il euh, y a les personnages, il euh, y en a de partout en fait. Il hein. y a le plateau là-bas. Euh, là-bas, bon après, euh, ça pourrait être optimisé là-bas. C'est un peu le bordel, c'est les cartes qui traînent tout ça. <laughs> ok. Mais ça... C'est vrai que ça demande quand même une grande table pour jouer à ce jeu. Bon après, si vous n'avez pas de caméra, ça demande une table un peu moins grande, bien entendu. On défausse toutes les cartes qui ont été jouées. Ok, donc tout ça c'est de la défausse. Je vais la mettre en haut. La carte des samouraïs est également défaussée. La carte des ninjas est également défaussée. Voilà. Très bien. Je vais chercher euh, donc la carte pour dire qu'on a réussi. On a réussi à démasquer l'ONI. Donc ça nous fait des points supplémentaires. Voilà. Donc l'ONI fut démasqué. Donc du fait que j'ai gagné la, euh, Du fait que j'ai réussi l'enquête, du fait que j'ai réussi à gagner euh, le, scén le, le scénario, il y a de grandes chances, malgré le fait que je sois mal parti au niveau des enquêtes, il y a de grandes chances que je gagne. Parce que ça me fait quand même deux grosses cartes pour moi. Il y a de grandes chances que je, que je gagne quand même. Mais quand même, euh, on, je ne sais pas, peut-être que si l'on y se barre, potentiellement peut-être qu'on peut être, que on peut être euh, dans, en négatif. Mais en vrai, je pense pas. Hein. Si on fait un petit peu le toto... Euh, ouais, j'ai deux. Il y a trois j'ai trois positifs. Lui, il a celle-là en, en, pour lui il a c'est deux rouges donc, euh, non, pour, clairement, je gagne carrément. Donc, même s'il s'en va, même s'il arrive à s'échapper, il aura l'ONI s'échapper. Voyez, et en termes de points, bah, je suis carrément gagnant, même si je s'échappe. Donc, là, en fait, je peux plus perdre le scénario du moment que j'ai réussi deux scénarios sur les sur les sur les. 2 bah, sur 2 en fait, puisque en vrai il y avait deux choses à faire, il y avait l'enquête plus ramasser les objectifs. Du moment que j'ai réussi les deux, 2 ben, deux sur 2 deux, ben, c'est gagné hein, forcément. On a eu quand même du mal, on a eu quand même pas mal de blessures, mais bon. En tout cas, c'est bien parti. Je vais chercher la figurine aussi. Voilà, donc la figurine qui est ici. Voilà. De l'ONI. Ok. Donc je le mets à la place, hein, bien entendu. Très bien. Donc comme là, on a découvert l'Oni, il ne peut plus progresser sur le, la piste. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on va continuer à compter les tours, pas de souci. Mais par contre, il ne peut plus faire progresser ses, 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 ses sbires. Que ce soit les créatures démoniaques ou les gardes, bien entendu. Il ne peut plus les faire progresser et il peut aussi ne il peut plus poser de pions corruption. Donc le fait de le découvrir le plus tôt possible, bah il a moins de pions corruption il peut activer moins de gardes pour vous embêter, par exemple. Donc là, par exemple, le pion numéro 8, il ne pourra jamais, la... il ne pourra jamais le poser. Puisque euh, ça fige, en fait, le fait de... de commencer le combat final, ça fige un peu ça. Par contre, il peut quand même bouger les pions corruption qu'il a déjà sur le plateau à chaque fois qu'on a un tour impair. Voilà pour info. Les cartes, évidemment, on continue les cartes périple. Hein. Il se passe toujours des choses. C'est juste les plis en corruption qui sont figés et les upgrades qui sont figés. Voilà, en gros, quand l'Oni est découvert, voilà ce qui se passe. Donc là, bon bah c'est fini. Nous, euh, nouvelle phase de, de, strat, de strat. Donc là, l'intérêt c'est d'essayer de péter euh, l'Oni, bien entendu. On va essayer, mais bon, il est assez loin hein, du coup. Il est de l'autre côté du plateau. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive en vrai. Tous mes personnages ont déjà une blessure. Euh, ouais, je ne suis pas sûr qu'on y arrive du tout même. Après, c'est du combat. Euh, je pense que... Je pense que même ça sert limite à rien. Parce que de toute façon, on a gagné le scénario. Je me dis, ça ne sert à rien d'essayer de... de combattre l'Oni. Parce que de toute façon, on a gagné le scénario. Vous voyez ce que je veux dire On a plus de points. Même s'il arrive à s'échapper, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ah, quoique. Ouais. Même s'il arrive à s'échapper. Ça lui donne cette carte-là. On imagine que je lui donne cette carte-là. Dans tous les cas, on a gagné. Alors par contre, s'il arrive à s'échapper, forcément, il, aura... il arrive à tuer un héros. Donc s'il arrive à tuer un héros... Ben dans ce cas-là, il y a un malus de petites cartes également. Donc même, je prends, même si je prends le plus pourri pour nous, c'est-à-dire qu'il arrive à tuer euh, nos bourreaux, sa carte qui était positive à la base, parce que je vous rappelle que nos bourreaux n'est pas est passé maître euh, guerrier, il est passé guerrier inégalable. Même s'il arrive à tuer nos bourreaux, hop, ça devient nos bourreaux civiles agneaux. C'est-à-dire que euh, la carte, elle devient euh, négative, d'accord donc ça c'est le pire scénario pour nous, hein, puisque du coup on avait des points qui sont transformés en points de l'ONI. Donc même si on prend le pire scénario pour nous, dans tous les cas on a quand même gagné. Pourquoi Parce que si on fait le calcul, alors les, les cartes, ça vaut combien déjà Je crois que c'est deux points. Je vérifie, mais il me semble que c'est deux points. Ouais. Donc les cartes comme ça, c'est deux points. Donc il a 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est un point, un point. Donc là, il a six points, l'ONI. Et moi, j'ai deux grosses cartes. Et les grosses cartes, c'est 4 points. Donc, 4 points plus 4 points, ça me fait 8 points. Donc, même s'il si arrive à tuer un héros et qu'il se barre, il a au total 6 points maximum. Et moi, j'ai 8 points. Donc, c'est moi qui remporte le scénario. Donc, là, je n'ai même pas besoin de tuer Lonnie. Je ne pas me spoiler. Euh, en fait, je ne pas me spoiler à regarder ces cartes. Euh, je préfère dire que c'est pas grave, il arrive à se barrer, il arrive à me tuer un héros. Au, au pire des cas, je fais vraiment le pire résultat pour moi. Dans tous les cas, j'ai gagné. Donc, je préfère pas me spoiler Loni. Parce que si à un moment donné, par exemple, dans d'autres campagnes ou dans d'autres scénarios, on nous demande de vraiment le tuer pour gagner le scénario, vous voyez ce que je veux dire bah, Dans ce cas-là, euh, je préfère le, le faire à ce moment-là. Là, je vais pas me spoiler quest ce, ce qu'il va faire, parce qu'après, évidemment, ce sera beaucoup plus facile. Donc ça sert à rien en fait de. Dans tous les cas, là j'ai gagné. Même si euh, le pire scénario pour moi, c'est-à-dire qu'il se barre et qu'il tue un héros, bah, dans tous les cas j'ai gagné. Voilà. Euh, C'est pas possible de perdre. Donc là, bah, je préfère stopper le scénario là. J'ai gagné, puisque j'ai 8 points. Et lui, il ne peut pas faire plus de 6 points dans ce scénario-là. Et on peut, euh, comme ça, mettre à jour la campagne. Puisque la campagne, elle nous dit quoi Alors, on va regarder ensemble. Parce que là, ça ne sert à rien de, de passer encore deux heures à essayer de tuer Loni pour regagner rien de plus. Hein. Euh, parce qu'en fait, si j'arrive à tuer l'ONI, la seule différence, c'est que si j'arrive à tuer l'ONI, bah, cette carte-là, au lieu que ce soit l'ONI s'est échappé, c'est l'ONI fut terrassé. Ce qui fait que lui, il aura pas 6 points, mais il en aura 4. Et moi, je aurai pas 8, mais j'en aurai 10. Donc, je gagne 10 à 4. Alors que là, même s'il s'échappe, je gagne 8 à 6. Dans tous les cas, je gagne puisque j'ai réussi les deux objectifs principaux. Moi, je vous le conseille de le faire aussi, ça chez vous. Par exemple, si vous pensez qu'une partie est un peu trop longue, si vous avez vu que vous avez gagné au moment où vous dévoilez l'ONI et qu'il vous reste que à le tuer, alors si vous voulez le tuer, vous pouvez le tuer pour le fun. Mais sinon, si vous savez que vous avez gagné, et même dans le pire des cas, bah, vous pouvez arrêter votre partie et c'est gagné. quoi. Parce que dans tous les cas, la partie, elle s'arrête automatiquement dès qu'il tue un héros obligatoirement. Dès que vous passez en mode combat, en mode combat final, dès qu'il tue un héros, ça s'arrête. Donc là, il tue un héros, ça s'arrête. Du fait qu'il a tué un héros, il gagne le, la, la carte, plus il s'échappe. Voilà, en gros, c'est ça. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas tuer plus de un héros. Il ne peut pas tuer trois héros, par, contre, par, par exemple, c'est pas possible. À moins qu'il les tue euh, les trois sur le même tour, mais bon, ça me paraît quand même gros. Quoi. Donc euh, voilà, je ne peux, euh, peux plus perdre. Ok, super. Donc, alors, on y va. Donc, ça, c'était le premier scénario. On a trouvé donc tous les messages de Petit Carpe et on nous dit si les héros gagnent ce scénario, ce qui est le cas, jouez l'acte 2, Légère des Innocences. Si par contre, on avait perdu, on devait jouer Trafic Macabre. Voilà. D'accord euh, Alors, on aurait pu perdre, par exemple, si on avait donné l'alerte. Si on avait donné l'alerte, et eh bien là, ça remet tout, tout en question parce que si on donne l'alerte, on lui donne deux points supplémentaires. Donc du coup, on est... là on était à 8-6, on lui donne 2 points supplémentaires, ça fait 8-8, vous voyez Et là du coup on, a... on aurait été obligé de le tuer par exemple. Parce que sinon si on ne le tue pas, bah, il s'échappe et... et il y a écho. Alors en cas d'égalité, je ne sais pas qui gagne. Pour le coup. Euh... Peut-être que c'est lui qui gagne en cas d'égalité, c'est vrai, je ne me suis jamais posé la question, mais c'est possible qu'il y ait une égalité. Bon là, c'est pas le cas parce qu'on n'a pas sonné l'alerte, mais faites attention. Si jamais vous sonnez l'alerte, ça donne des points supplémentaires et pour le coup, il peut gagner, pour le coup. Enfin, il peut gagner ou même égalité, quoi. Donc euh, là, clairement, il y aurait eu une égalité si j'avais sonné l'alerte. Heureusement que je l'ai pas fait, et c'est vrai. En, en cas d'égalité, je sais pas qui gagne. J'ai pas, j'ai pas, je l'ai pas lu sur le, sur le livre de règles. Faudrait que, que je demande, faudrait que je demande au créateur en cas d'égalité. Peut-être que pas bah, personne gagne. <laughs> J'en sais rien en fait. C'est vrai, je me suis jamais posé la question. Peut-être qu'ils pensent que c'est pas possible. Ben, si c'est possible, Parce que la preuve. Là, si j'avais fait l'alerte, c'était 8-8, égalité. Mais bon, là, ce n'est pas le cas. Euh, ok. Donc, on y va pour déjà récupérer par rapport à la campagne. On nous dit, donc par rapport à la campagne. Alors, euh, donc chaque camp conserve les chapitres de TQ correspondant à la réalisation des objectifs d'une tuile-mission qu'il a remportée. Donc ça, c'est dans les campagnes. Mais là, moi, il n'y a pas eu de tuile-mission. C'est ça qui est intéressant quand on fait un mode campagne comme ça, c'est que toutes les missions que vous allez faire où il y a des tuiles missions, vous allez les garder en fait. Ce qui fait que si vous ne réussissez pas vos missions, ben à la fin de la campagne, vous pouvez la perdre. Moi, il n'y en a pas eu là. Donc là, je ne conserve rien, puisque, en fait, il n'y a pas eu d'objectif par rapport à une tuile mission. Voilà. Je crois. Non. Non, non, il n'y a pas eu d'objectif par rapport à une tuile mission. En fait, c'est quoi une tuile mission bah, Une tuile mission, c'est une tuile qui est, qui est M, par exemple. Euh, alors, je vais vous en montrer une, par exemple. Si j'en trouve une, bien sûr. Alors là, dans Petite Carpe, il n'y a pas de tuile mission. Vous voyez, il n'y a pas de tuile mission. Par contre, voilà. Là, justement, au chapitre 2, Les Jars de l'innocence, c'est le chapitre qu'on va faire après. Vous voyez que là, il y a une tuile mission. M13. Ce qui fait que si je réussis la tuile mission M13, ben je vais garder le fait que j'ai réussi cette mission-là dans ma campagne. Par contre, si je la rate, ben je vais garder le fait que je la rate. Donc dans, dans cette campagne-là, j'en ai eu de la chance. Enfin on a eu de la chance. Sur le premier acte, il n'y a pas de tuile mission. Donc pour l'instant, on ne gagne, on gagne rien pour la campagne. Mais dans d'autres campagnes, dès l'acte 1, vous gagnez des missions. Euh, vous avez, euh, dès l'acte 1, vous avez une tuile à garder pour votre campagne. Donc là, moi, ce n'est pas le cas. Le camp qui remporte l'acte 1, donc c'est moi. Gagne le chapitre. Alors on gagne le héros. Alors soit euh, c'est héros en... en. en folie, là. Héros en quoi Alors c'est ça, c'est soit héros en échec soit le karma favorable. Donc là moi c'est moi qui gagnais donc je gagne un point pour ma campagne. C'est tout, je gagne que ça pour l'instant. Vous voyez donc ça valait peut-être pas trop le coup de se mouiller. <laughs> on aurait peut-être pu directement perdre le chapitre 1 et passer au chapitre 2. <laughs> non, je déconne et le moindre petit point peut être important en campagne. Donc là nous on a gagné karma favorable à nos héros parce que on a trouvé tous les indices et donc on avance dans notre campagne. Donc là dans notre campagne, on a gagné ça. Donc là on a un point par rapport à Loni par rapport à notre campagne. On a un petit peu avancé par rapport à Loni mais un point c'est que dalle. Hein. Voilà. Et après, ouais, à l'acte 2, celui qui gagne, il va gagner cette carte-là. À l'acte 3, celui qui gagne, il va, il va gagner cette carte-là, etc., etc. Plus les cartes des tuiles mission, bien entendu. Ce qui fait qu'à la fin, ben, potentiellement, vous pouvez, oui ou non, gagner la campagne. Ce n'est pas parce que vous gagnez tous les scénarios que vous allez gagner la campagne, puisque forcément, c'est suivant si vous avez fait les missions ou pas. Ok. Donc là, alors fais voir quand même les tuiles mission. Je vais voir un truc. Enfin, si ça correspond, donc là il n'y en a pas. Là potentiellement il y en a une. Là il y en a une aussi, mais on s'en fout. Et ensuite ici il y en a une aussi, donc deux en fait. On peut en gagner deux. Euh, et il y a la troisième qui correspondrait euh, aux trois. C'est ça, ok, c'est bien ça. Je voulais voir si ça correspondait bien aux actes. Euh, donc acte 1 il doit être là, il n'y a rien. Acte 2, acte 2 si on gagne, acte 2 si on perd, et acte 3. Voilà, donc en fait il y aura potentiellement... Alors pourquoi C'est double, c'est recto verso. Hein. Recto pour les joueurs, verso pour les l'ONI, d'accord Donc là, acte 2, vous pouvez en gagner une seule, et acte, acte 3, vous pouvez en gagner une. Mais n'oubliez pas qu'il y a celle-là et celle-là. Et oui. <laughs> c'est ça en fait le truc. Et là, on a eu de la chance, c'est que l'acte 1, du... 1 de cette campagne-là ne nous donne pas une tuile. Mais elle peut aussi potentiellement vous donner une tuile Donc ça fait encore des points supplémentaires. Et j'ai aussi omis l'idée au créateur. Et il a, il a trouvé que c'était plutôt une bonne idée, mais qu'à voir au niveau de l'équilibrage. Euh, c'est par rapport au nombre de points. Vous pouvez, je pense, ajuster les nombres de points des cartes pour l'ONI. Si vous voulez jouer en plus de difficultés, ou vraiment être cric-crac. Par exemple, donc ça c'est une idée que j'ai eue. Hein, mais par exemple, vous voyez que là, en, en normal, on gagne 4 points, 2 points, 1 point par rapport à la taille de la carte. Ben, vous pouvez très bien vous dire. Si vous voulez jouer avec un, un adversaire Oni un peu plus fort ou un, un peu plus de défi, je ne sais pas si ça marche, il faut tester. Mais au lieu qu'il gagne 4 points, l'Oni va en gagner 5. Au lieu qu'il gagne 2 points, il va en gagner 3. Au lieu qu'il gagne 1 point, il va en gagner 2. Toujours un de plus par rapport à vous. Vous pouvez mettre 2 de plus si vous voulez. Si vous trouvez que euh, c'est vraiment trop facile, bah vous pouvez mettre 2 points de plus par rapport à vous. Ce qui fait que euh, du coup, là, ça va être encore plus dur. Et inversement, si vous trouvez que c'est trop dur. Ben oui, ben vous lui mettez moins 1 point. Au lieu de 4, vous lui mettez 3. Au lieu de 2, vous lui mettez 1. Et puis quand il gagne là, il ne ben, gagne rien. Il gagne 0,5, si vous voulez. 0,5. Il lui faut 2-4. Donc si on fait le calcul euh, comme ça pour, pour rigoler, par exemple, si on était en un niveau supérieur, donc là, 3 points, 3 points, ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Là, par exemple, il aurait eu 10 points. Et moi, j'ai eu 8 points. Donc là, c'est lui qui gagnait le scénario. Vous voyez Juste en montant 1 point par rapport à nous. Il y a le scénario, vous voyez, comme quoi c'est énorme hein, la différence. Donc si vous trouvez que le jeu est trop simple, vous pouvez partir là-dessus, et inversement, si vous trouvez que le jeu est trop dur, ben, vous pouvez retirer un point. Alors c'est une idée que j'ai eue. Le créateur m'a dit que c'était une bonne idée, mais attention, c'est une règle maison. Ça n'a pas été testé évidemment par eux, donc on ne sait pas si ça marche ou pas. Peut-être que ça peut marcher sur une campagne, mais peut-être pas sur toute. Vous voyez donc à tester. Euh, on, voilà, chacun est libre de, de le faire ou pas. Bon, moi, évidemment, je joue avec les, les règles standards. Mais si, euh, par exemple, au bout de 2-3 campagnes, euh, vous voyez que un, vous gagnez tout le temps, bah, vous pouvez appliquer cette règle-là. Comme ça, bah, ça vous donne du challenge. Un point supplémentaire à chaque fois. Euh, pour exemple, pour l'ONI. Voilà. C'est une idée hein, que, que j'avais eue. Euh, voilà. Sachant qu'oubliez pas, le, tableau, le plateau là-bas est modulaire aussi. Ce qui fait que si vous trouvez que le jeu est trop simple ou trop dur, vous pouvez aussi changer euh, les, les caractéristiques. Euh, les caractéristiques, d'accord Donc là, pour notre campagne, on commence avec ça. On a un point par rapport à l'ONI, puis après, on va devoir passer au chapitre 2. Donc, le chapitre 2, pour vous donner un petit avant-goût. Alors, l'acte 2. Donc, nous, on passe sur les jarres de, des innocences, euh, puisqu'en fait, euh, puisqu en fait, on a gagné le scénario, d'accord Donc, les jarres des innocences, alors je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, pour vous donner un petit peu euh, au niveau de l'aventure. Un moment, alors, je vais pas, évidemment, je ne vais pas vous spoiler, je vais pas vous spoiler hein, trop la BD, mais en gros, à un moment donné, en fait, il y a, on retrouve donc la trace de petites carpes par rapport aux indices. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. On suit donc les méchants qui les ont enlevés. Je ne sais plus, c'est des pirates ou autre, peu importe. Et en fin de compte, ils planquent, enfin ils planquent, ils mettent petites carpes dans une jarre. Il la planque dans une jarre pour que, pour que quand il, il navigue, pour, quand il l'emmène en fait, bah, il n'y a personne qui la remarque, personne qui la voit. Hein? C'est peut-être ce qu'ils nous disent là. Nous étions sur les traces de, des pirates qui avaient enlevé les, les courtisanes, dont ma petite soeur Petite Carpe. Il les avait enfermés dans des jarres qu'il allait décharger. Qu'ils allaient décharger d'un sampa. Alors sampa c'est quoi Je sais pas. Qu'ils allaient décharger d'un sampa dans la crypte. Cachés du château Satoro, mais à quelle fin les avaient-ils enlevés La réponse que je devinais m'effrayait. Donc voilà, ils les cachent dans des jarres pour naviguer, c'est ce que je vous expliquais. Et donc là, euh, et après, ils les emmène, donc euh, je sais pas où, donc c'est ne euh, semble pas dans la crypte. Et donc là, les jarres des innocences. Donc en fait, elles sont cachées dedans les, les filles. Et donc je pense qu'on va devoir fouiller toutes les jarres pour la trouver. Je pense. Hein. Alors je dis ça vraiment euh, au pif. Mais en gros, euh, voilà quoi. Et donc, en fin de compte, si on regarde un petit peu, donc ils la mettent dans une jarre, ok. Donc là, vous voyez, elle rentre dans une jarre. Alors, elle n'a pas le choix, hein, elle est obligée de respecter ce qu'il qu lui demande, sinon elle se fait défoncer. Donc, ils la mettent dans une jarre, vous voyez, qui est planquée. Et puis après, ils l'emmènent comme ça, euh, en mode euh, jarre, et ils la trimballent comme ça. Vous voyez Et ils font ça, évidemment, avec, euh, avec les femmes qu'ils ont enlevées. Donc, je suppose qu'on va devoir trouver, nous, dans quel genre elle est, euh, elle est emprisonnée. Si on arrive, évidemment, à la trouver. Je suppose, après, je n'ai pas lu le scénario, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement. Euh, fais voir, on peut peut-être le lire, se mettre un petit avant-goût. Hein, petit euh, avant-goût avant la prochaine vidéo. Euh, alors, les héros devront tenter de découvrir parmi les hôtes la sombre créature qui se cache et récupérer un maximum de jarres contenant des innocentes. Ah, d'accord. On doit essayer de sauver un maximum d'innocentes, puis peut-être trouver aussi petite carpe. Donc les héros gagnent les chapitres du compte TQ, donc ça c'est comme d'habitude. Euh, on doit faire l'enquête, comme d'habitude. On doit gagner la mission secondaire. Attention, les M13, cette fois-ci, elle va compter dans la campagne. La mission secondaire va compter dans la campagne. Donc là, il y a tout intérêt à la réussir. Et évidemment, on finit comme d'habitude notre mission personnelle. Donc après, bah, c'est comme d'habitude. Hein. Est-ce que l'on y arrive à s'échapper, etc., etc. Règle spéciale Si Tiku n'a pas été choisi comme héros, mais si il a choisi, on l'a choisi exprès, justement. Donc ça, c'est bien. Référez-vous à la carte référence de la tuile M13 pour comprendre, euh, pour prendre connaissance des règles concernant la mission, bien entendu, qui est le trafic d'esclaves. Voilà, bah, en fait, euh, on, ils nous disent un petit peu ce qu'ils font. Ils font un petit peu le trafic d'esclaves. On verra pourquoi, voilà, parce que pour l'instant, on ne sait pas. Et lorsqu'un héros est adjacent au pion relique, il peut dépenser une action pour retirer le pion relique du plateau et placer la carte objet no d'achy ancestral dans sa réserve. Oh, il y a une relique à récupérer en même temps. Vous voyez ici. Donc, ça peut être intéressant d'aller la chercher. Une belle épée, euh, une belle épée euh, qui doit être, je sais pas où, sur le plateau, elle doit être là. Alors, nous, on commence là, Ça, parce que je comprends. Et euh, alors là, je vois qu'il y a un numéro 7. Alors, je sais pas si c'est Ninja à péter avec 7 de force, je sais pas. Il y a un gros là, hein, il y a un gros soldat ici, il y a des samouraïs, des ninjas, euh, un, un Hiroji. Donc, ça, ça va être chaud parce que c'est un gros bourrin, l'Hiroji. Euh, ouais, ouais, ça peut être euh, faire attention. Le pion jarre, je sais pas trop comment ça marche. Je pense que ça va être par rapport à la mission. Donc, ça, on la lira la prochaine fois. Voilà. Donc, voilà, vous avez compris un peu le, le principe. Puis après, bah, on, on avancera. Donc, là, on est toujours sur la trace de petite carpe qui s'est fait euh, enlever et qui s'est fait mettre dans des jarres. Et là, le principe, c'est qu'on va essayer de sauver un maximum. Euh, deux femmes qui se sont enlevées. Donc voilà, on se retrouve donc très bientôt pour la suite de l'aventure. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouer à vos jeux. Allez, à plus au monde.